Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire sur la prévention des risques et la gestion Je ne suis des... pas sûre qu'on m'entende en fait. Merci de fermer les micros s'il vous plaît. On va vous demander de garder les micros fermés. Des temps de parole seront prévus en tous les cas au cours du webinaire. Vous aurez l'occasion d'intervenir à l'oral. Quand vous n'intervenez pas, on vous remercie de garder les micros fermés pour éviter les petits soucis sonores. Quelques autres rappels techniques. Donc, pour prendre la parole lorsque les temps le permettront, vous avez le bouton normalement en bas de votre écran si vous êtes sur ordinateur dans les réactions. Et si vous êtes sur téléphone ou sur tablette, c'est normalement dans le bouton plus. En tous les cas, vous avez le fil de discussion. Si vous avez des soucis techniques ou autres, n'hésitez pas à y poser vos questions. Le webinaire est enregistré et on mettra également à disposition le support suite au webinaire. Il vous sera envoyé. C'était tout pour les rappels techniques. Je vais tout de suite passer la parole à Hélène Briffaut, vice-présidente en charge de la protection et des risques à COSEN Aglo, pour le mot d'ouverture. Madame Briffaut, c'est à vous. Je sais, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Hélène Briffaut, vice-présidente de COSEN Aglo, donc en charge de la prévention et des risques. Je tiens en préambule à remercier Intercommunalité de France et puis Amaris, un co-organisateur de ce webinaire. Donc, si vous le permettez, je vais brièvement vous parler de mon territoire. Donc, effectivement, j'ai la chance de vivre sur un territoire qui se situe entre Le Havre et Rouen, donc sur l'axe Seine. Et où la culture du risque est très présente et depuis de nombreuses années, notre agglomération tient une place prépondérante dans la gestion de crise et elle sert d'interface à tous les intervenants. Notre PCO d'ailleurs se trouve à la maison de l'intercommunalité, donc c'est vous dire, c'est un symbole. Donc nous disposons d'un PIX depuis 2011. C'est un plan qui organise les services pour faire face à tous les événements qui pourraient déstabiliser notre agglomération. Donc, historiquement, bien évidemment, les inondations, mais naturellement, le risque industriel, puisque nous avons sur notre territoire 8 entreprises Seveso seuil haut et 4 Seveso seuil bas. Donc, quelques chiffres, 2 PPRT, 1 PPRI, 1 PPRL et 3 PPI. Donc, COSEN Aglo anime également depuis 1972 une association d'industriels, l'AEPJR, devenue tout récemment INCAES. Donc, c'est une association qui nous a permis de créer des relations atypiques, mais qui sont précieuses car lors d'une crise, tous les acteurs se connaissent réciproquement. Donc, c'est une stratégie gagnante, à mon sens, hein, qui nous permet d'avoir une confiance, mais une confiance lucide et qui nous permet de préparer en temps de paix, si je peux m'exprimer ainsi, et, afin de savoir réagir plus rapidement et plus efficacement en temps de crise. Donc, dans le domaine des risques majeurs, un vaste contexte réglementaire définit les obligations incombant au maire et à l'État. Donc, le maire s'affirme par ses pouvoirs de police et ses compétences comme premier acteur en matière de prévention des risques et de la gestion de crise. Il est notamment responsable sur son territoire de la sécurité de ses administrés. D'autre part, si la sécurité est bien une préoccupation des élus, elle n'en constitue pas moins fondamentalement une compétence régalienne. Donc, dans un contexte d'intensification des risques, donc risques naturels, risques technologiques, risques sanitaires, risques cyber, j'en oublie forcément, les intercommunalités, devenues aujourd'hui des acteurs de proximité de communes de plus en plus présents au quotidien, leur vocation de mutualisation de moyens, leurs compétences, leur organisation structurelle nous amène naturellement à nous interroger sur le rôle à jouer dans la gestion de la crise. Donc, les communes d'un EPCI partagent généralement les mêmes risques, hein, au sein d'un territoire. Par contre, les aléas, eux, ignorent complètement les limites communales. Donc, nous allons aujourd'hui, au travers des différentes interventions, nous questionner sur le rôle de l'intercommunalité sur la gestion de la crise et sa préparation, qui jusqu'à présent reste trop souvent dual, donc commune-État. Donc, tous les événements industriels ou naturels ont démontré la nécessaire participation de tous les acteurs du territoire,
Les événements étant bien souvent intercommunaux, les intercommunalités ont tout à fait leur place dans la gestion de la crise. Donc, la vocation des intercos, comme je le disais à l'instant, à mutualiser les moyens, à mutualiser les compétences, les porte naturellement à considérer leur rôle potentiel dans la gestion de la crise. Donc, c'est un acteur incontournable du territoire. Les intercos interviennent notamment avec leur lien avec les communes pour leurs compétences propres. Un exemple tout bête, la voirie, service voirie, rhodologie, qui sont souvent impactés lors de crises, tempêtes, inondations, ou pour leur connaissance globale du territoire, la connaissance de tous les risques existants, la connaissance de tous les acteurs et de tous les enjeux du territoire. Un autre exemple, en travers des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat ou d'environnement, ou projets de planification urbaine, l'Interco est amené à traiter de façon plus ou moins directe les problèmes concernant les risques naturels ou technologiques. Donc, on peut dire que le SCOT est naturellement porté à traiter de la prévention et des gestions de crise, des gestions de risques identifiées. La loi Matras, elle, parue en novembre 2021, précise le rôle des intercos dans l'organisation de la sécurité civile. Jusqu'à présent, donc, comme on le disait, le maire et le préfet, grâce à leur pouvoir de police, disposaient d'une place prépondérante. L'interco, elle, est un acteur du territoire, mais pas toujours ou pas encore reconnu comme un intervenant à part entière dans la gestion de la crise. Donc, cette loi et le décret d'application qui va sortir fin juin viennent confirmer cette implication et imposent à toutes les intercommunalités d'agir en amont des crises avec un outil de préparation, le PIX. Donc, avant de rentrer réellement dans le vif du sujet et de laisser la parole aux différents intervenants, je tiens une nouvelle fois à remercier Intercommunalité de France qui nous propose aujourd'hui ce webinaire. Intercommunalité de France qui est également très attachée à cette thématique qui a un niveau d'avancement sur cette problématique de la place de l'interco est très inégale entre les territoires, mais qui est une nécessité car les intercommunalités sont la bonne échelle, à mon sens, pour mobiliser tous les acteurs et coordonner les actions. Et comme je l'ai évoqué en préambule, les enjeux sont immenses et susceptibles de s'intensifier puisque on a des risques plus fréquents, mais on a également de nouveaux risques, la COVID-19, la rupture d'approvisionnement qui viennent confirmer un petit peu mes propos. Il est important également de préciser qu'Intercommunalité de France, sur la thématique du risque, a initié un travail récent qui accompagne, qui informe et qui met en relation. Et elle apporte également une analyse des enjeux sur les différentes politiques qui concernent les intercommunalités. Donc, le webinaire qui vous est proposé aujourd'hui en est la parfaite illustration. Webinaire qui va s'articuler autour de trois axes. Donc, dans un premier temps, nous allons montrer quel sera le rôle de l'intercommunalité, de la prévention de la crise donc sur le long terme, bien évidemment, jusqu'à la gestion de la crise le jour J, avec l'intervention de M. Patrice Choët, vice-président de l'association Amaris et conseiller communautaire de l'Eurométropole de Strasbourg. Ensuite, dans un second temps, on mettra en avant la gouvernance qu'il faudra mettre en place. Donc, avec deux retours d'expérience, donc le premier qui nous sera présenté par Madame Judith Laborieux, conseillère communautaire de la communauté d'agglo de Sainte-Martinique. Le second retour d'expérience par Madame Françoise Materon, vice-présidente de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, qui, je crois, a affronté de gros orages aujourd'hui, si les informations sont bonnes. Et un troisième temps pour finir, où il s'agira pour nous d'élargir la problématique de ce qui va nous permettre de nous interroger sur la vulnérabilité du territoire quand on prend en compte les risques à venir et les nouveaux risques dont je parlais tout à l'heure. Je pense notamment aux changements climatiques, les ruptures d'approvisionnement alimentaire et les déplacements massifs de la population, sujet malheureux d'actualité. Donc, ces thèmes seront abordés par Stéphane Minou, formateur résilience alimentaire, sécurité, défense, et par Madame David, directrice générale adjointe à Brest Métropole. Bah, écoutez, je vous propose de commencer. Je crois que je laisse la parole à Madame Favre, déléguée générale d'Amaris, qui va nous faire un point d'actualité sur le PIX.
Bonjour, merci Madame Briffaut. Vous faites un lien parfait entre Interco et de France et Amaris, puisque Cosan Aglo est adhérente à la fois à Intercommunalité de France qui nous réunit aujourd'hui et à l'association Amaris que je représente en tant que déléguée générale. Juste en un mot, Amaris est une association de communes et d'intercommunalités concernées par les risques industriels. Donc nous accompagnons nos adhérents sur toutes les thématiques relatives à la prévention des risques accidentels et chroniques et sur la gestion de crise, sujet sur lequel Cosan Aglo fait figure d'exemple hein, dans notre réseau. Un exemple sur lequel on s'appuie hein, pour faire progresser collectivement ensemble les territoires. Du haut de notre petit réseau, comparé à celui d'Intercommunalité de France, qu'on a pu constater depuis une dizaine d'années, c'est la montée en puissance du niveau intercommunal dans la gestion des risques et également un moindre isolement des communes sur ces sujets. Donc, c'est tout naturellement qu'on s'est associé à Intercommunalité de France dans la production d'un travail de fin d'études. C'est certainement une première étape qui nécessitera d'être prolongée ultérieurement, puisqu'aujourd'hui, on est dans une étape où il semble nécessaire de lancer une réflexion commune sur la place de l'intercommunalité, en fait, sur ces questions-là. Et aujourd'hui, l'actualité nous y incite. Comme vous l'avez dit, Madame Briffaut, en novembre 2022, une nouvelle obligation, depuis novembre 2022, une nouvelle obligation pèse sur les intercommunalités. Je dis les intercommunalités dans un cadre général, puisque je crois qu'il y a 1100 intercommunalités qui sont concernées par cette obligation de mise en œuvre de plans intercommunaux de sauvegarde, donc quasiment la totalité. Pour certains, comme Cosan Aglo, cette nouvelle obligation va venir légitimer votre action. Elle ne va pas changer grand-chose, hein, puisque vous êtes déjà en piste depuis de nombreuses années. Pour d'autres, ces démarches de planification prenaient le nom de plan d'intervention, plan d'entraide. Donc, ça ne changera peut-être pas. Ça vient formaliser quelque chose qui pouvait préexister avant. Donc aujourd'hui, l'actu, c'est une loi, novembre 2022, à partir de laquelle l'obligation court, 5 années pour mettre en œuvre un PICS, un décret qui est paru mardi, Madame Briffaut, il est publié sur le site Légifrance, un décret qui vient préciser le contenu du PICS. Donc, on sait ce que le PICS doit contenir. Et ce contenu, il est assez. C'est un cadre général, des inventaires, un recensement, des recensements, etc. Mais on peine encore à voir, enfin, localement, il va falloir que vous réfléchissiez au positionnement de l'intercommunalité. À partir de cette base, cette obligation à laquelle il va falloir répondre, quel va être le rôle de l'intercommunalité dans les différents temps de la gestion de crise, un rôle de mutualisation, d'animation ou de coordination, tout ça sera à définir en fonction des territoires, des moyens, de la taille de l'interco, si on pense aux intercommunalités à 20 communes ou à, je sais pas, la métropole de Marseille avec plus de 90 communes, les démarches ne pourront pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire. Et ça tombe bien puisque le cadre qu'a posé le ministère de l'Intérieur va vous laisser toute latitude pour vous adapter. Donc aujourd'hui, on a ce décret, une circulaire devrait paraître en juillet pour venir préciser d'autres points et d'ici la fin de l'année, un guide méthodologique devrait être mis à votre disposition. Amaris va être associé à la production de ce guide, donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez en savoir plus. Dans cette étape, il est bien nécessaire de confronter les expériences des intercommunalités. C'est pourquoi je remercie vraiment Intercommunalité de France d'avoir organisé, et Eva, Marcel, d'avoir organisé ce webinaire aujourd'hui qui est une première base. Et j'en profite pour saluer Madame Judith Laborieux de la CACEM qui, en matière de gestion de crise, passe beaucoup de temps à s'exercer pour de vrai. Voilà, j'en ai fini. Merci Delphine. Nous allons maintenant passer aux objectifs, au cadre de l'étude. Eva Marcel, chargée d'études d'Intercommunalité de France, va les présenter. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est très bien, oui.
Donc effectivement, je vais vous faire un petit point sur le contexte de la réalisation de cette étude qui a commencé donc en janvier et donc j'ai coporté avec Intercommunalité de France et Amaris qui finalement s'inscrit dans un contexte où Intercommunalité de France n'avait pas encore réalisé d'études poussées ni spécifiques sur ce sujet-là. Donc finalement une thématique qui est nouvellement pris en main au niveau de l'association. Et donc, je vais revenir peut-être sur un peu le cadrage méthodologique de ce travail qui consiste surtout finalement à produire donc, un rapport opérationnel sur finalement un cadrage juridique sur quel va être le rôle de l'intercommunalité sur la prévention des risques et la gestion de crise. Et puis, finalement, des retours pratiques grâce à des retours d'expérience sur quelles peuvent être les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans ce domaine-là. Sur la méthodologie, il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont été réalisés depuis janvier, qui ont mobilisé plusieurs agents au sein d'intercommunalités et qui ont permis déjà de poser des bases, de poser surtout des questions sur cette thématique-là qui est assez complexe. Et donc, je vais essayer peut-être de vous décortiquer en quelques mots les principales interrogations et les principaux éléments de base qui ont permis finalement de créer cette étude-là, ce rapport. Donc je rebrosserai un peu certains des éléments qui ont pu être évoqués en pointant certains points particuliers. Donc peut-être pour commencer, effectivement, la prévention des risques et la gestion de crise sont bien pensés comme deux domaines assez séparés en général et non pas comme un continuum où la thématique de la prévention des risques reste encore largement rattachée aux problématiques environnementales, alors que la gestion de crise, elle, est encore souvent associée aux problèmes de sécurité, principalement pensée donc au niveau des services de l'État. Les collectivités, elles, on le voit, elles sont assez peu associées à la gestion des événements de crise par les acteurs de l'État. On peut voir déjà au niveau des communes, les maires sont assez peu suffisamment associés finalement avec les acteurs de l'État et parfois sont même prévenus à la dernière minute de la survenue d'un événement. Et les intercommunalités, elles, ne sont rarement, voire jamais identifiées par les pouvoirs publics nationaux comme des acteurs de la gestion de crise. Et pourtant, peut-être retenir un chiffre, 90% des crises sont gérées par les maires, alors même que parfois ces événements vont toucher plusieurs communes en même temps. Et finalement, le préfet, qui prend en théorie la main lorsqu'une crise est amenée à toucher plusieurs communes en même temps, dans les faits, c'est moins souvent le cas. Et finalement, on voit bien que face à ça, les acteurs locaux peuvent se trouver un peu démunis, surtout qu'au niveau même de l'État, les moyens ne sont pas toujours à la hauteur des événements. Puis les élus et agents, finalement, sont assez peu formés sur ces questions de risque et sont assez peu connus et identifiés comme des acteurs de cette thématique-là. Les PCS, par exemple, les plans communaux de sauvegarde, sont assez rarement opérationnels. On peut le voir sur certains événements qui ont pu montrer. Et même au niveau des services de l'État, la formation, elle n'est pas toujours là dans ces thématiques. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que le problème de formation sur la thématique de la gestion de crise et la prévention des risques, il est assez lacunaire. Et donc, c'est vraiment un problème de formation assez global. Et pourtant, au niveau des collectivités et en l'occurrence des maires, la responsabilité qui pèse sur le maire est assez forte, même très forte. Je prends par exemple l'exemple de la catastrophe Xynthia, pour laquelle les juges ont pu retenir comme élément à charge contre le maire l'absence d'un plan de gestion de crise, un plan communal de sauvegarde. Et donc finalement, on peut voir que sur la question des plans communaux de sauvegarde, il y a bien une sanction qui est assez indirecte, puisque dans les faits, le maire ne va pas être sanctionné pour l'absence de son PCS au moment, mais au moment où l'événement survient, la sanction est bien présente, et ça c'est assez concret. Et finalement, donc, face à ces enjeux-là, on se rend bien compte que les communes, elles ont tout intérêt à travailler ensemble sur ces thématiques de risque et à pas être isolées, à éviter l'isolement, déjà bien parce que les crises se limitent là, assez peu au lèchement administratif communal. Et donc, finalement, on se rend bien compte que dans tout ça, l'intercommunalité a bien un rôle à jouer, un rôle qui peut être de coordonner les actions, de coordonner l'action des différents acteurs qui sont mobilisés, travailler sur la sensibilisation sur cette thématique,
travailler à la formation, également à la mutualisation des moyens et à la coordination pour réaliser notamment des exercices d'entraînement. Et finalement, on se rend compte qu'il y a bien trois temps de la gestion de crise qui sont finalement avant, pendant et après. Et sur ces trois temps, nous, ce qui nous a intéressé dans cette étude, c'est de se demander comment on définit le rôle sur ces trois volets-là. Et effectivement, l'interconnectivité a un rôle peut-être plus important à jouer sur l'amont et l'aval, et peut-être un peu moins sur le moment de la crise, puisque c'est bien le maire et sa commune qui ont toute responsabilité de sauvegarde de la population à ce moment-là. Et donc, peut-être ce qu'on va essayer de creuser aujourd'hui lors de ce webinaire, c'est finalement de comprendre surtout la partie amont, la partie de préparation à la gestion de crise. Et donc, c'est comme ça qu'on va un peu construire ce développement. Et donc, je vais pouvoir vous présenter déjà le déroulé hein, de ce webinaire. Donc, en premier temps, sur finalement, en amont des crises, quelle gouvernance on va mettre en place pour se préparer. On va avoir donc deux retours d'expérience sur cette thématique-là. Et puis, dans un deuxième temps, on s'interrogera plus largement sur la question de la vulnérabilité des territoires en extrapolant un peu et en se limitant non pas seulement aux responsabilités et aux cadres réglementaires, mais bien à l'analyse de la vulnérabilité en intégrant l'ensemble des risques dans une vision, à dire, territoriale de plus long terme. Et donc, je vais peut-être commencer par rappeler effectivement les questions qu'on peut amener à se poser dans ce premier temps, parce que les objectifs majeurs, on va dire sur ce premier cadrage en amont, c'est la connaissance des acteurs, et les acteurs dans tous les sens, c'est-à-dire à la fois tous les acteurs du territoire, les acteurs économiques, leur bonne connaissance et leur travail de communication avec les collectivités, mais également dans l'autre sens, les collectivités avec tous ces acteurs du territoire qui peuvent être concernés par les événements de crise. Et finalement, tout ça, ça va bien impliquer des changements au niveau des stratégies politiques, puisqu'il va bien falloir la nécessité d'avoir des moyens suffisants et puis surtout des élus et des agents investis sur cette thématique-là. Et donc, ce qui a pu notamment dans le cadre de l'étude faire l'objet de plusieurs questionnements, c'est comment les stratégies intercommunales en termes de politique vont amener à évoluer pour mieux intégrer cette culture du risque, et puis finalement comment va évoluer l'organisation de l'organigramme intercommunal et notamment travailler sur toute la question de la transversalité sur cette thématique entre les différents services. Donc pour ouvrir ce premier point, en amont des crises, quelle gouvernance mettre en place pour se préparer? Je vais inviter donc Madame Judith Laborieux, donc, qui est conseillère communautaire à la communauté d'agglomération de Centre-Martinique et qui va pouvoir finalement nous faire un partage de l'expérience de son territoire. Donc, je laisse la parole à Madame Laborieux. Merci. Est-ce qu'on peut faire le partage du diaporama? Oui, ça devrait être possible. Moi, je vais arrêter celui-ci. Voilà. Tout le monde voit le diaporama? C'est bon? Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir pensé à nous, au-delà des maires, puisque nous sommes toujours impactés par des crises sur les risques naturels et aussi nous avons sur le territoire de la CACEM un PPRT où on est en plein dans l'organisation du PPI. Donc, nous sommes vraiment, avec la communauté d'Aglo, les quatre communes, vraiment la tête dans le guidon pour travailler ensemble. Alors, comment la CACEM est arrivée à avoir, on l'appelle PIC aujourd'hui, mais nous avons travaillé sur une organisation bien en amont que la loi puisse sortir, parce qu'il s'avérait qu'on est sur un territoire qui est vraiment petit et que les frontières entre les communes et entre les communautés d'agglo sont très... Il n'y en a pratiquement pas, donc des fois, vous avez des maisons qui sont sur deux communes. Donc, on a été amené à se dire qu'il faut qu'à un moment, la communauté d'agglo soit à côté des communes, qu'elle ne prenne pas la main sur la gestion de crise, mais qu'elle soit à côté des communes et qu'on mutualise les moyens que nous avons. Pour nous, au départ, c'était une question de mutualiser les moyens
entre les quatre communes de la CACEM. Cette mutualisation, avant même la création de la CACEM, existait déjà au niveau des communes. On mutualisait les moyens, on allait aider la commune d'à côté, et avec la communauté d'agglo, c'est inscrit maintenant par les quatre maires qu'on mutualise les moyens, autant de la CACEM que les moyens des communes. Donc aujourd'hui, nous avons un territoire de 156 729 habitants à gérer en situation dans une situation de crise. 56 élus communautaires. Dans chaque commune, il y a un conseil municipal et les élus du conseil municipal restent sur leur commune. Mais la difficulté qu'on a, c'est que des élus qui sont des élus communautaires se retrouvent dans les PCS des communes. Et ils ne peuvent pas faire doublon. C'est la difficulté des PIC, c'est qu'on ne peut pas enlever des élus sur leur commune pour les mettre à travailler au niveau de la communauté d'agglo. Donc, c'est l'un des frais vraiment d'organisation sur le PIC. Et les élus, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais les élus aux Antilles sont dans la proximité dans le cadre de la gestion de crise. Les quatre maires qui sont au niveau de la CACEM vont rester sous leur commune, ils viendront pas à la CACEM. Et le président de la CACEM aussi, il va déléguer peut-être à un élu, il va déléguer sur sa commune, mais c'est compliqué pour les maires de laisser leur population et de ne pas être là en situation de crise. Donc c'est l'un des freins. Alors sur notre territoire, nous avons tous les risques. Et là, on est en plein dedans, on est en plein dans la saison cyclonique. Donc, on surveille l'horizon, hein, comme si vous voulez, on surveille, on regarde, on est en veille. Et puis, nous avons le risque, sur la communauté d'agglo, on a le risque PPRT. En Martinique, c'est cette communauté d'agglo qui a ce risque. Et c'est le fait d'avoir un PPRT sur la communauté d'agglo qui a fait qu'on a été amené à travailler déjà deux communes impactées par le PPRT. On a été à travailler ensemble et après, on s'est dit, bon, il faut que les quatre communes travaillent ensemble dans le cadre de la gestion de crise. Donc, le travail qui est fait, c'est un travail d'abord d'exercice. La CACEM a très rapidement intégré les exercices qui ont été mis en place au niveau de l'État. Vous avez des exercices qui reviennent chaque année ou tous les deux ans. Vous avez l'exercice Richter Caraïbes Wave, des exercices de simulation annuelle initiés par les communes ou par les communautés d'agglo. Et de ces exercices, on arrive à finaliser notre PIC. On est obligé aujourd'hui de l'appeler comme ça, puisqu'il y a un décret qui est sorti, mais pour nous, avant, c'était un plan de sauvegarde intercommunale, mais pour nous, c'était un outil pour nous permettre de mutualiser. Donc aujourd'hui, on a les règles, on a les bases réglementaires, donc on va s'atteler à coller un peu sur les bases réglementaires, mais tout en se disant qu'on a des spécificités et nous sommes obligés de coller notre PIC aux spécificités du terrain et à la culture de la population. Voilà. Donc, vous avez les préparations d'exercice. On est tout le temps en situation d'exercice à tous les niveaux, au niveau des écoles, au niveau des familles et les exercices aussi. On peut se dire qu'on a des exercices qui sont, comment je vais vous dire ça? Bon, on a une petite inondation, ça nous permet d'améliorer les actions qu'on devra mettre en place si jamais la situation s'aggrave. Donc, chaque fois qu'il y a un événement, petit événement ou gros événement, ça nous permet de nous améliorer pour le jour où on aura vraiment le gros truc qui va nous tomber dessus. L'autre chose, c'est qu'on arrive, on fait beaucoup d'échanges avec certaines
villes, certains pays de la Caraïbe. Donc, nous avons, quand il y a eu Maria à Saint-Martin et à la Dominique, on s'est déplacé pour pouvoir vraiment toucher du doigt la réalité. Et aller toucher du doigt la réalité d'une problématique sous un autre territoire vous permet de mieux vous préparer si jamais ça vous arrive un jour. Donc, on tire des leçons de chez le voisin d'à côté quand c'est la crise survient chez lui. Et en 2017, on a mis en place une coopération avec Haïti. On est en coopération avec Santiago de Cuba sous les risques majeurs et la CACEM. Excusez-moi. La CACEM a sa part dans cette coopération puisque nous travaillons de concert les quatre communes et la communauté d'Aglo. Donc, on a travaillé ensemble beaucoup sur, on parle des risques naturels, mais on est en plein dedans toujours, il faut aussi qu'on parle des risques sanitaires. Les risques sanitaires au niveau d'une communauté d'Aglo nous permet de gérer les quatre communes sur des moyens. C'est une mutualisation des moyens, mais c'est aussi sur l'achat d'outils, de masques. La communauté d'Aglo a eu sa part dans la gestion de la crise sanitaire, où elle a aidé les communes à avoir du matériel pour le personnel, du gel, des masques. Elle a aussi beaucoup travaillé sur l'accompagnement des entreprises. Donc, on a activé notre PIC le 8 mars 2020 avec un suivi de plan de continuité d'activité et le 2 juin 2020, poursuite des travaux en groupe plan de reprise d'activité et petit à petit, on reprend l'activité. Je pense que tout le monde sait que la crise sanitaire n'est pas encore complètement terminée aux Antilles et que ça c'est en train de repartir et qu'on est toujours la tête dans le guidon. Alors, beaucoup d'exercices et beaucoup d'actions. Alors, là, en ce moment, on a une commune. Sur les quatre communes, il y a une commune qui a été prise comme commune de pilote pour le projet d'installation de la signalétique tsunami sur le territoire au centre. Donc, c'est la ville de Chelcher, la CACEM l'accompagne pour la mise en place des installations des points refuge. Après, ce sera les trois autres communes. On fera le bilan de ce projet et on continuera sur les trois autres communes. Avec un accompagnement des services de l'État et de la DEAL et de la préfecture. 2020-2021, on a une action contre l'épidémie de dengue parce qu'on a la dengue qui revient, mais cette année-là, c'était vraiment épidémie de dengue avec des morts. Il n'y en avait pas beaucoup comme le COVID, mais il y a eu des morts. Et il y a une grosse sensibilisation qui a été faite par la CACEM et les villes vers la population avec des actions sur le terrain, des actions de sensibilisation, mais aussi de démoustication sur le terrain. 2017, participation au fameux exercice Caraïbes Wave. C'est un exercice annuel qui revient chaque année et qu'on participe chaque année. C'est un exercice qui est fait avec des pays de la Caraïbe. Voilà. 2018, on a une participation à une simulation militaire dans le cadre de l'évacuation de ressortissants français. Donc, chaque fois qu'il y a un exercice initié par un partenaire ou initié par l'État, la CACEM participe à l'exercice pour mieux avoir des billes pour pouvoir, le jour où on est vraiment dans une situation critique, qu'on puisse avoir les billes pour pouvoir avancer, pour pouvoir protéger notre population et savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, on a aussi, là qui va venir bientôt là, c'est l'exercice réplique, c'est sur les tremblements de terre. Chaque année,
C'est fait avec l'éducation nationale, avec la population, avec les associations. Et on est sur une semaine, on parle de tremblement de terre, on parle de comment on se protège, comment on fait, on informe les parents de ce qu'ils doivent faire et ne pas aller chercher les enfants à l'école. Donc, il y a une grosse sensibilisation avec les médias et des exercices. Tous les partenaires privilégiés, sapeurs-pompiers, militaires, CHUM et Éducation nationale interviennent. Donc, aujourd'hui, nous sommes condamnés à travailler en mutualisation avec les communautés d'agglo. Et en Martinique, pour aujourd'hui, on travaille pas la seule communauté d'agglo du centre, mais les trois communautés d'agglo travaillent ensemble sur des projets et sur les risques. On va prendre la GEMAPI. La GEMAPI nous est tombée dessus. Bon, je dirais bien que c'était sans préparation. On a vu la GEMAPI arriver. Quand on l'a vu arriver, on s'est dit, bon, ben, on a un problème parce que ça ne colle pas avec la réalité du terrain. Aujourd'hui, les trois communautés d'agglo se sont mis ensemble pour travailler sur la GEMAPI parce qu'on a des rivières qui traversent toute la Martinique. Et que si ce n'est pas... Si la commune d'à côté ou la commune qui est au bout de la rivière ne fait pas ce qu'il faut, celle qui est en finalité va avoir tous les impacts négatifs. Donc, on est arrivé aujourd'hui à se dire, il faut qu'on travaille ensemble, communauté d'agglo, les trois communautés d'agglo. Et je pense que derrière, on va pouvoir mieux sécuriser la population, envoyer un signal fort à cette population. Et puis, je pense que le séminaire qu'il y aura à la fin de l'année en Martinique va encore faire que la population va être confortée dans le fait que l'on peut et qu'on est là pour les protéger, mais qu'eux aussi, ils doivent faire leur part. Parce que ce qu'on répète souvent à la population, c'est que la première personne qui doit se protéger, c'est la population, et c'est après on peut les aider à mieux le faire, mais ils doivent d'abord apprendre à le faire. Et puis sur les quatre communes, c'est arrivé très vite, on a la création d'une réserve communale. Dans chaque commune, il y a une réserve communale, et cette réserve communale, pour le moment, est amenée à intervenir au sein de l'intercommunalité, donc de la CACEM. On n'a pas encore ouvert, c'est le maire qui décide si sa réserve, la réserve du Lamantin ou la réserve de Fort-de-France, va intervenir sous une autre commune de la communauté, et on n'a pas encore ouvert sous les autres communautés d'agglo. Donc après, c'est des problématiques juridiques qu'il faut qu'on voit. Voilà. Donc, nous, pour conclure, je dirais que le travail a été mis en place petit à petit. Ça a été fait parce qu'on s'est retrouvé devant des faits accomplis où on est condamné à travailler ensemble. Je suis obligé d'employer le mot condamné à travailler ensemble parce qu'en situation de gestion de crise, je le dis tout le temps, si les personnes qui gèrent mon PCS ne sont pas en capacité de gérer le PCS, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la main. Il faut qu'au niveau de la communauté d'agglo, au niveau de la commune d'à côté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la main, qui connaisse le territoire et qui prenne la main. Et c'est beaucoup sur ce volet-là qu'on a décidé de travailler en intercommunalité. Qui prend la main quand le maire n'est pas là? Et surtout sur la problématique séisme. Sur la problématique séisme, c'est compliqué pour nous de faire des plans séismes aujourd'hui au niveau des communes. On fait beaucoup d'exercices, on dit aux gens ce qu'il faut faire, mais personne ne sait à quel moment le tremblement de terre aura lieu, si c'est la nuit, si c'est la journée, si c'est le week-end où il n'y a personne dans les administrations.
Et il faudra qu'à un moment, que quelqu'un prenne la main. Et la meilleure, les meilleures personnes, la structure qui peut prendre la main et qui connaît le territoire, c'est la communauté d'agglomération. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour les questions. Et pour les compléments aussi d'informations, j'espère avoir répondu à la commande. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une réponse adaptée à notre cas de crise pour protéger les agents et les infrastructures de la CACEM. Donc, la CACEM, c'est une communauté responsable. Créer des partenariats ponctuels et pérennes sur des thématiques risques majeurs avec les villes membres et pouvoir, en finalité, être aussi au-delà du PIC intercommunal, être sous un PIC avec les trois communautés d'agglomération. Parce que sur les trois territoires ont des risques différents. Donc, il faut qu'on puisse aussi s'accompagner mutuellement. Voilà. Merci. C'est très, très clair. Et merci à vous infiniment pour ce partage d'expérience très riche et très enrichissant. Et c'est intéressant de voir comment sur un territoire autant exposé, autant éprouvé que le vôtre, on se rend compte à quel point l'action intercommunale, elle va bien au-delà que la simple planification de la gestion de crise, mais vraiment tout un travail beaucoup plus réflexif, beaucoup plus large. Et donc, c'est aussi ce volet-là qui est très intéressant. Je vais pouvoir faire la transition et laisser la main à Madame Françoise Matheron, qui est vice-présidente à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et qui va donc pouvoir nous partager l'expérience de son propre territoire. Donc, Madame Matheron, je vous en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous, notre territoire est beaucoup moins exposé et du coup, on est beaucoup moins avancé que ce qui vient d'être présenté. Pour autant, notre retour d'expérience peut être quand même intéressant. Donc, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, on est dans le département de l'Hérault. On est une communauté de 36 communes où il y a à la fois des toutes petites communes qui comptent 50 habitants et des communes plus importantes. La plus grande commune compte 10 000 habitants, donc vraiment très hétérogène. Beaucoup de communes dans le sud sont recouvertes de pinèdes qui sont particulièrement inflammables. Donc, nous avons deux risques majeurs sur l'intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup, qui est l'incendie et l'inondation due aux pluies cévenoles. Donc, pas de grands fleuves, mais du ruissellement important ou des petits ruisseaux qui peuvent tout d'un coup devenir très gros et en quelques heures devenir très important. Donc, lorsque le président Alain Barbe m'a confié le poste de vice-présidente à la communauté de communes, bon, ma mission était l'aide aux communes et la mutualisation. Et donc, moi, je suis très sensible à cette question de la gestion des crises. Ma commune a été très touchée et à plusieurs reprises par des incendies très forts. Et j'ai pu me rendre compte que lorsqu'on fait face à une crise de cette ampleur et que l'on est tout seul, c'est compliqué. Quand je dis tout seul, je veux dire, j'avais mes élus autour de moi, mais quand je veux dire une commune toute seule. Une commune, on a 1 000 habitants, on a deux employés communaux, donc on a vraiment des ressources qui sont extrêmement limitées. Et en plus, un incendie, il s'arrête rarement, comme le disait ma collègue précédemment, aux limites de la commune. Donc forcément, il y a des interactions avec les communes voisines et il y a des problématiques qui se retrouvent. En plus, ce genre de crise survient souvent dans l'été. Les élus, il y en a la moitié qui sont en vacances, tout le monde n'est pas présent, donc on se retrouve d'autant plus démunis face à ces situations. Donc j'ai voulu sensibiliser mes collègues à ces problèmes parce qu'on n'était pas tous égaux devant ça. Certains, on avait déjà une expérience d'élus qui s'étaient déjà confrontés à cette crise, d'autres étaient de tout nouveaux maires qui n'avaient jamais connu cela. D'autres ont été épargnés parce que leur territoire n'a pas été touché. Donc, vraiment, une situation très inégale. Donc, dans un premier temps, on a échangé et on a décidé de mettre en place un outil, de réaliser un DICRIM
Donc, le document d'information des risques majeurs, qui est un document obligatoire dans notre intercommunalité et que certaines communes n'avaient pas rédigé. Donc, on a fait le point là-dessus, qui en avait, qui en avait pas, est-ce qu'ils étaient à jour, est-ce qu'ils ne l'étaient pas. On a rassemblé tout ça de manière à faire une version commune, puisqu'on avait les mêmes risques, bien sûr adaptés à chaque commune. De là, on s'est mis à réfléchir davantage et on a pu bénéficier, on a décidé de faire intervenir des étudiants. On a la chance d'être limitrophe de la métropole de Montpellier, où il y a la préparation d'un master gestion des risques naturels. Donc, on a fait un partenariat avec l'université et une promo est venue sur notre territoire. Et on avait donné la mission aux étudiants d'abord d'améliorer la culture du risque chez les élus, parce qu'avant de l'améliorer chez nos concitoyens, je pense qu'il faut d'abord l'améliorer chez les élus, et ce n'est pas évident. Amener à produire des outils opérationnels pour toutes les communes, parce qu'on n'était pas très bien équipé en cartes, en PCS. Sensibiliser les élus à la gestion de crise intercommunale, c'est-à-dire comment on fait mieux ensemble que tout seul. Faire le point sur nos moyens d'alerte, parce que là aussi, on a des points à améliorer. Et puis, mettre en place des exercices, parce que je crois que vraiment, les exercices, c'est quelque chose d'important pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui nous manque, de ce qu'il faudrait faire. Donc, on a fait tout ça l'année dernière et ça a été très intéressant, d'autant plus intéressant qu'on avait fait un exercice intercommunal de gestion de crise d'incendie sur des communes voisines et qu'il y a à peine 8 jours, un incendie s'est déclenché sur ces communes. Et là, on a pu voir toute l'utilité quand même d'être préparé, d'avoir des réflexes, de savoir à qui on pouvait faire appel, où sont nos ressources. Donc, il faudra aller plus loin, bien entendu, c'est un début. Mais je pense qu'avec le réchauffement climatique, on va être de plus en plus confronté à des crises à intervalles réguliers et qu'il faut s'y préparer. Et l'intercommunalité est une bonne échelle parce que, en tout cas pour nous qui sommes une intercommunalité rurale, ça permet de mettre en commun des moyens que seul on n'a pas. Je ne vais pas développer davantage, je préfère répondre aux questions parce que voilà, s'il y en a avec Madame Laborieux, parce que voilà, pour l'instant, donc la suite qu'on envisage hier, on a re-rencontré nos étudiants. Donc on va accueillir une deuxième promo l'année prochaine pour essayer d'aller pour la mise en place d'un plan intercommunal de sauvegarde. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Madame Matteron, pour ce partage et pour cet exemple d'un territoire qui est intéressant parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes sur une intercommunalité plutôt rurale et donc c'est aussi intéressant de montrer des territoires qui n'ont pas forcément toujours le niveau de formation, les moyens humains et techniques présents. Et ça montre bien que ici, sur ce type de questions, sans portage politique, eh bien, la thématique elle a du mal à avancer, elle a du mal à être portée. Et donc, c'est vraiment intéressant de montrer cet enjeu-là, le portage politique. Et, oui, ça c'est vrai que c'est clair que c'est vraiment une volonté politique. Parce que c'est vrai que c'est un sujet, franchement, qui est pas fun, hein, on peut le dire comme ça, quoi. C'est un sujet, les élus, on a plus envie de se pencher sur la réalisation d'une piscine intercommunale ou d'une salle de spectacle intercommunale. C'est beaucoup plus positif, beaucoup plus porteur. Donc, c'est vrai que quand on aborde ces thèmes-là, ce sont des choses dont on n'a pas forcément envie de s'y coller. Pour autant, je pense que c'est la responsabilité majeure des élus et que c'est parce qu'il y aura des volontés politiques qu'on pourra avancer sur le sujet, parce que si on fait l'autruche, on n'avancera pas, quoi. Et c'est nécessaire de prendre ces sujets à bras le corps parce qu'on y sera de plus en plus confronté. Et effectivement, quand la crise survient, on va chercher des responsables. Et moi, c'est vraiment ce côté-là que j'ai, sans dramatiser, mais sur lequel j'ai attiré l'attention de mes collègues, parce que oui, on va chercher des responsables. Alors, et le maire sera le premier sur la liste.
Donc, on ne peut pas tout prévoir, mais au moins s'être donné les moyens, montrer qu'on est dans une démarche, qu'on a fait de son mieux, son possible, qu'on connaît les textes, qu'on connaît les choses, ça montre une certaine responsabilité que l'on pourrait nous reprocher si on ne faisait pas les choses. Voilà. D'ailleurs, dans notre propre département, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais des maires ont été condamnés hein, au niveau pénal. Hein, le maire, de Lamalou, pour des inondations sur des campings, etc. Donc, ce sont des sujets, maintenant, nos concitoyens ne pardonnent plus. On ne peut pas dire on ne savait pas. Merci. Merci à vous. On va ouvrir un espace d'échange et de discussion et de questions surtout. Donc, n'hésitez pas à poser vos interrogations, si possible, à l'oral, en levant la main avec la petite fonction « lever la main ». Voilà, je vous laisse un peu de temps pour réagir si vous avez des questions. Et puis s'il n'y a pas de questions, eh ben, on peut aussi réfléchir ensemble à cette thématique-là. En tout cas, peut-être pour commencer, on a le plaisir d'avoir toujours parmi nous Hélène Briffaut de Cossenaglo. Et c'est vrai qu'au niveau de leur territoire, il y a l'exemple typique du territoire de Port-Jérôme qui est très concerné par les risques industriels en l'occurrence. Et ça peut être intéressant finalement de vous demander comment à ce niveau-là a pu se faire, en l'occurrence, la question de la mobilisation des acteurs et de la mise en cohérence et l'accord entre tous les différents acteurs qui sont concernés par cette thématique-là. Et peut-être, voilà, si vous pouviez partager un peu cet exemple un peu spécifique, ça pourrait être intéressant d'en faire part pour approfondir un peu plus les points. Je pense, vous m'entendez, je pense, là. Oui, nous, on a mis en place plusieurs choses. Donc, je vous parlais en préambule de l'association AEPJR, donc, qui existe depuis 1972. Donc, c'est l'association des entreprises de Port-Jérôme et sa région. Bon, le nom était un petit peu difficile à prononcer. Donc, tout récemment, ils ont changé pour devenir l'association INCASE, donc Industrie Cossen. Et en fait, ce sont principalement des industriels, hein, puisqu'on a une plateforme pétrolière sur Port-Jérôme-sur-Seine. Et ça a permis de se faire, enfin, que les entreprises se rencontrent et d'être très transparents sur leur production, sur les risques potentiels, parce que les entreprises sont voisines, donc un incident sur une entreprise, sur une industrie peut provoquer un incident sur la voisine et avec des répercussions énormes, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est industrie pétrolière, donc avec de nombreux risques. Donc depuis 72, en fait, les entreprises communiquent, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de confiance et de confiance lucide, puisque à travers notre CSS, hein, notre commission de suivi de site, on a des informations régulières sur les incidents, pourquoi, qu'est-ce qu'on a mis en place, toutes les avancées sur la gestion de la pollution, la gestion des risques, hein, parce que bien évidemment, les entreprises mettent en place différents processus et se préparent elles aussi à l'incident, avec tous les cas. Donc, les exercices réguliers que l'on fait avec eux, les exercices réguliers qu'ils font, eux, sur leur propre site en interne, mais on est toujours, en fait, informés. Donc, c'est vraiment cette relation de confiance qui s'est installée. Comme le disait Madame Matteron, nous aussi, nous avons fait appel, donc c'est une autre, donc ça n'a plus rien à voir avec INCASE, mais on a fait appel à des jeunes, donc nous, on avait fait appel à des jeunes de la mission locale qui sont allés en avant, enfin vers la population, donc avec notre plaquette PPI, et puis qui sont allés à la rencontre de tous les habitants pour justement communiquer. Donc ça, je pense que c'est très important, donc ça peut s'adapter à différents risques, hein, avec la démarche à suivre. Et puis tout récemment, on a mis en place aussi sur Cossenaglo une plaquette PPI, mais adaptée aux gens du voyage qui ne sont pas forcément dans les mêmes dispositions et qui n'ont pas forcément la même connaissance du territoire. Donc, une plaquette PPI pour les gens du voyage, spécialement adaptée
à eux avec plutôt des dessins sous forme de BD très explicites. Donc ça, je pense qu'aussi, ça peut être un outil pour les différents territoires à adapter en fonction des risques qu'ils rencontrent. Merci. Alors, n'hésitez pas si vous avez des réactions, des questions. Je vais compléter aussi par rapport au DICRIM. On a fait trois versions du DICRIM. On a fait une version pour adultes, on a fait une version pour les enfants des écoles et on a fait une version pour les ados. Et l'année prochaine, on va avec les étudiants essayer de faire vivre ça parce que je crois aussi que les jeunes, quand ils sont sensibilisés, ils peuvent aussi donner être dans les familles, en tout cas, inciter aussi les adultes à avoir les bons comportements. Et puis, c'est une éducation qu'il faut mettre en place tout petit. Je pense qu'on peut s'appuyer aussi sur les écoles parce que ça fait partie maintenant des programmes de l'éducation nationale. Donc, nous, on a un partenariat aussi entre les inspecteurs de l'éducation nationale, les conseillers pédagogiques et les enseignants volontaires de notre territoire pour aussi faire passer ces messages. On a aussi essayé de mettre en place, alors ça fait 2 ans, on n'a pas une fréquentation extraordinaire, parce que là encore, ce n'est pas des sujets extrêmement fun, sur un village de la prévention, une journée de la prévention, où on fait venir tout un tas de personnes, à la fois les comités communaux de forêt, les pompiers, les syndicats de bassin, de syndicats de bassin versant qui ont des outils modernes pour montrer des tas de choses, de manière à faire une animation un peu ludique. Alors après, on fait, pour attirer un peu le public, on fait aussi de la prévention routière, parce qu'après tout ça, c'est de la prévention qui fait venir les gens au stand. Voilà, pour que y a toujours des piqûres de rappel, quoi, parce que ce sont des sujets, je pense, qu'il faut rabâcher. On constate, par exemple, que nous, on est très, on subit énormément de pluies, donc ces pluies diluviennes, là, dont vous entendez parler, les orages cévenols, bon, qui sont quand même très impressionnants. Et le réflexe initial des familles, c'est de venir chercher les enfants à l'école, ce qui est catastrophique parce que, d'abord, ils mettent leurs enfants en danger, ils se mettent eux-mêmes en danger, ils créent des bouchons. La trois quarts du temps, les voitures sont dans le fossé, c'est pire que tout. Donc, on voit bien que ça commence à rentrer de laisser les enfants à l'école qui sont en sécurité parce qu'on matraque sans arrêt le message. Donc, je pense que vraiment, les collectivités, en fonction des situations qui sont les nôtres, des risques qui sont les nôtres sur nos territoires, il faut répéter et utiliser tous les moyens variés. Alors, ça va être l'informatique, ça va être les sites internet, ça va être les journaux communaux, mais voilà, il faut en mettre régulièrement des couches. Merci. Allô, bonjour. Allô, c'est du. Alors, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez, Madame Marcel. Donc, bonjour à tous. Alors, j'ai trouvé très intéressant déjà toutes les interventions. Et j'aimerais demander à Madame Françoise Mathieron s'il serait possible, sachant que nous avons la même idée, le DICRIM pour les jeunes, en fait. Pour les ados, pour les jeunes, est-ce qu'il serait possible, alors je ne sais pas si dans le cadre d'intercommunalité, qu'on puisse partager, alors bien évidemment nous partageons nos bonnes pratiques, mais aussi peut-être la documentation que nous avons pu mettre en place. Alors moi je suis, nous sommes prêts aussi à les partager. Bien sûr. Alors, je vous avoue que je suis très intéressée par le PICS de Madame Briffaut, hein, sachant que nous allons pour le coup être amenés, même si on n'est pas sur la première marche, comme j'expliquais à Madame Marcel, et nous allons consolider toute la documentation et toute l'organisation. On est plus dans l'organisation que dans la doc, hein, même si la doc permet quand même, le jour de la crise, de pouvoir avoir un fil conducteur à nos actions. Donc, du coup, le DICRIM ado, jeune, très intéressé, et le PICS, si possible, si on pouvait avoir une base, on va dire, une base d'échange sur ces sujets-là. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir, parce que je pense que le travail qui est déjà fait, s'il peut servir, être remasterisé, réadapté. L'objectif, c'est de protéger la population, mais au service des gens. Hein, donc, bien sûr que si on peut
s'échanger des outils, des idées, ben, ce genre d'échange et de webinaire sert évidemment à ça. Hein. Donc oui, on vous le fera passer, je ne sais pas comment, par l'intermédiaire de Eva, ou, mais on trouvera le moyen. Très bien. Je vous remercie. Nous avons aussi pour le coup, alors là, je me permets juste de le dire, j'ai pensé hier avec, suite à une visio, nous avons tous nous avons des risques en commun, mais nous, typiquement, nous avons le risque cyclonique qui est dans tous les cas annuel. Hein. Tous les ans, nous avons soit une activation de crise par rapport au cyclone, soit vraiment une crise avec un événement qui, à l'occurrence d'un événement. Et nous avons donc dans nos régions différentes, les services de l'État, bon, bah, qui sont... Service de l'État qui travaille avec les communes et les intercos, qui produisent des ressources. Donc c'est vrai que pour le coup, typiquement la ressource liée au cyclone, typiquement pour le coup, on pourrait échanger. Alors, j'ai vu que Madame, je sais plus comment ça s'appelle, Madame Oriane, a parlé de ça. Donc il y a les données, les documents, la documentation que nous faisons nous en interne, mais aussi la documentation régalienne qu'on oublie qui est spécifique sur chaque territoire. Et notamment nous avons la dengue. Alors, chez vous, il y a eu aussi des risques. Il y a eu des cas, nous avons la dengue, nous avons des clips vidéo, nous avons des clips liés au risque que ce soit cyclonique, sismique, sanitaire et aussi épidémique lié aux moustiques chez Kungunya. Voilà. Donc, nous sommes à dispo pour vous partager ça. Hein. Voilà. Merci. Je crois qu'on a la chance d'avoir aussi dans la salle Monsieur Pascal Mallet du Havre Seine Métropole. Si c'est le cas, sur votre territoire, vous avez finalement identifié une compétence, un risque, et ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir une petite explication sur comment vous êtes positionné sur cette thématique-là et comment. Comment le Havre Seine Métropole travaille sur la prévention des risques et la gestion de crise, et peut-être notamment sur le domaine de l'alerte, où le territoire est assez, assez intéressant à ce niveau-là, si M. Mallet m'entend et nous entend. Oui, oui, bonjour, merci. Eh ben, je ne sais pas si vous avez de la chance de m'avoir, mais moi j'ai la chance de vous retrouver tous. Merci, je suis arrivé en retard et je vous prie de m'en excuser, mais... j'étais sur la fin de la présentation de Madame Matteron qui était passionnante et vraiment au cœur des problématiques qu'on rencontre nous sur nos territoires. Et donc je suis très content d'arriver à me rendre disponible auprès de vous. Donc moi je suis Pascal Mallet, je suis chef du service risque majeur de l'estuaire de la Seine. Et nous on travaille effectivement sur ce sujet-là depuis la fin des années 90. Alors je ne vais pas vous faire tout l'historique parce qu'on y passerait l'après-midi, mais pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'en réalité, nous, notre histoire, c'est que le service, il y avait des experts du risque chez les sapeurs-pompiers dans la fin des années 90, qui étaient encore au niveau de la commune, et avec les lois de départementalisation, ils partaient, ces experts partaient au département, et on a fait valoir l'intérêt de créer une structure communale au départ des pompiers sur l'aspect prévention des risques et gestion de crise. Et là, on l'avait fait en son temps, fin des années 90, à la ville du Havre, qu'on a transféré tout de suite à à l'intercommunalité qui a été créée en 2001 en lui consacrant une compétence risque majeur. D'accord ? Et le but de notre job, c'est d'assister et de conseiller les communes et le territoire de façon plus large sur la gestion des risques de façon globale. Et pour faire court, on est arrivé, nous, avec une approche, pas une approche administrative des risques, mais plutôt une approche de type géographique en partant d'un concept qu'on appelle, nous, le bassin multirisque, donc naturel et technologique. Donc, on est, dit autrement, on a regardé notre territoire, on a regardé les risques qui nous concernait dans notre territoire, mais également les sources de risques qui venaient de nos voisins ou de nos voisines, et également les risques qu'on faisait porter sur des territoires plus larges. D'accord ? Donc, ce qui nous permettait d'identifier un territoire qui était beaucoup plus vaste à l'époque de la ville du Havre, mais même de l'agglomération du Havre, puisqu'au début, en 2001, on était 17 communes. Aujourd'hui, on s'est marié avec nos deux voisines, et donc maintenant, on a 54 communes et 270 000 habitants. Et donc déjà, voilà, ça vous donne un petit peu une idée de là où on se place sur le débouché de la Seine, hein, directement sur la mer, sur l'embouchure de la Seine et l'estuaire de la Seine.
J'insiste aussi sur le volet, je vous ai dit qu'on parlait de risque naturel et de risque technologique. Et de plus en plus, on y travaille déjà un peu, mais on intensifie nos efforts sur ce sujet-là. C'est le sujet de ce qu'on appelle des risques naturels technologiques. C'est qu'en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en réalité, ces systèmes-là, ils sont couplés. C'est-à-dire que de plus en plus, on le regarde notamment dans les statistiques du ministère, on se rend bien compte que de plus en plus d'accidents technologiques sont couplés à des événements précurseurs de type inondation, de type vague de chaleur. Alors, j'insiste sur les vagues de chaleur parce que les inondations, j'allais dire, ça fait partie de… On y pense souvent et les vagues de chaleur, ça devient de plus en plus prégnant et nous, ça nous a déjà impacté et on a mis en place déjà des stratégies sur ce sujet-là. Alors, les vagues de chaleur vont toucher, bien sûr, les installations à risque, mais aussi vont impacter également nos systèmes d'alimentation électrique. Et une gestion de crise sans alimentation électrique, c'est la crise x2, ou au carré, si on veut. Donc, on a des sujets là-dessus. Et puis, bien entendu, on regarde aussi de façon assez précise l'aggravation du changement climatique avec les problématiques d'élévation du niveau de la mer. Bien entendu, on est au Havre, mais également sur les vagues de chaleur. Donc, nous, c'est nos deux priorités, même s'il ne faut pas oublier les autres. On se rend compte de plus en plus. Bien sûr, dans le sud, vous êtes déjà bien au fait des problématiques de feux de forêt. On va avoir, et on a déjà, plus de feux de culture, plus de feux de bois. Alors, bien sûr, on n'a pas forcément le même climat, mais de plus en plus, on va avoir des phénomènes. Finalement, ces phénomènes d'incendie de forêt et d'incendie de territoire vont remonter progressivement les latitudes, et ça nous concerne déjà. Donc ça, c'est le premier volet, un petit peu le terrain de jeu. Ce n'est pas joli de dire ça, mais on est entre nous. Le terrain de jeu qu'on a sur la question des risques. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en bâtissant cette cartographie de tous les risques, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup d'acteurs sur le territoire et que pour gérer au mieux le territoire, il fallait mettre en place des dispositifs de gestion collective des risques. C'est-à-dire que ce n'est pas le maire tout seul qui va faire, ce n'est pas le préfet tout seul qui va faire, ce n'est pas l'industriel tout seul qui va faire et je peux multiplier les acteurs. Notamment, pour illustrer ce propos, on a mis en place dès 2003 une association qui s'appelle l'Office des risques majeurs de l'estuaire de la Seine. Donc, c'est ormes.fr, vous trouverez le site internet, qui est justement cette table ronde des acteurs locaux qui vont partager sur les différents risques technologiques et naturels et imaginer ensemble des stratégies d'action, de prévention des risques, de culture du risque, sur le volet aussi alerte des populations, pour aller plus loin que la réglementation. L'idée de cette association, ce n'est pas faire le boulot du maire, de l'intercommunalité ou des industriels, c'est plutôt de réfléchir ensemble, c'est une instance d'intelligence collective, et puis également de mettre des moyens en commun pour imaginer un certain nombre d'actions. Je donne simplement un exemple. Donc, il y a ce site internet qui délivre des éléments de culture du risque. Et notamment, on avait, dans les années 2000, travaillé avec Jamy Gourmaud, le monsieur c'est pas sorcier, pour faire une petite vidéo de mise en situation d'une famille qui entend une sirène et comment doit réagir une famille quand elle entend une sirène d'alerte. Et donc, c'est presque un tuto où on explique les choses à faire et les choses à ne pas faire. Donc ça, c'est une illustration de l'ORME. Donc on a des gros sujets sur le volet risque technologique. Hein. On a plus d'une trentaine d'installations à risque, dont une vingtaine de Céveso. Et parmi ces vingtaines de Céveso, on a 17 Céveso seuil haut sur notre territoire. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'on génère des risques, même si vous ne connaissez pas tous bien la région, des risques jusqu'à presque, en termes de risque industriel, on va presque jusqu'à Deauville. C'est-à-dire qu'en réalité, le bassin de risque de l'estuaire de la Seine, il couvre la rive droite de la Seine, mais également la rive gauche. Et donc, l'intérêt de cette association, c'est de mettre autour de la table les acteurs de la rive droite, de la rive gauche, sachant qu'initialement, en 2003, on avait trois départements. On a toujours d'ailleurs trois départements. Et à l'époque, on avait deux régions. Maintenant, on est une région Normandie. Mais on a toujours ces trois départements. Et sans rentrer dans le détail, faire travailler trois départements en même temps, c'est toujours un peu compliqué, puisque c'est trois préfets, etc., etc. Voilà, ça, c'est sur le volet gestion collective des risques. On a aussi beaucoup travaillé sur les problématiques de submersion marine. Pour parler de ce qu'on fait, nous, sur notre territoire, de façon concrète, au sein de la communauté urbaine, j'ai oublié de dire que l'Office des risques majeurs de l'estuaire de la Seine,
et en réseau, est en réseau avec différentes associations, et notamment une association au niveau national, mais que je crois que j'ai une collègue de Damaris qui est déjà avec vous et que j'ai dû louper, que je salue, c'est Amaris, avec lesquels on a beaucoup travaillé sur toutes les problématiques de risque technologique, et notamment sur un groupe de travail, mais Delphine pourra vous en parler, un groupe de travail sur les volets de gestion de crise, qui est un sujet un petit peu nouveau pour Amaris, et on se rend bien compte qu'il y a une vraie attente des territoires, et je pense que ça recoupe pas mal de questions que vous avez évoquées. Après, concrètement, au quotidien, on a une stratégie globale de gestion des risques. Quand je dis globale, c'est qu'on va de la connaissance des risques, y compris financer des études, cofinancer des études avec l'État sur la connaissance des risques, y compris financer par exemple des thèses de doctorat pour avancer sur certains sujets un peu pointus. Sur la formation à la gestion de crise, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais on se rend bien compte que nos élus et les agents qui ont en charge ces questions-là ont un besoin de formation à la gestion de crise. Et aujourd'hui, nous, notre stratégie, ça fait une petite quinzaine d'années maintenant qu'on forme nos élus et nos agents, c'est bien sûr de consolider, de tenir ce volet de formation à la gestion de crise des élus et des agents, mais également d'y mettre un volet exercice et entraînement. Madame Matoron l'a insisté, et je rejoins complètement sa position. Je crois que j'allais presque dire, il faudrait presque commencer par un exercice pour se rendre compte et vraiment s'approprier à la fois la complexité du sujet et également les axes de progrès. Et en faisant un exercice, souvent, ça remonte très vite les premiers fondamentaux qui nous échappent parfois. Donc, il y a ce sujet, on voudrait passer du niveau de formation à un niveau d'entraînement, un petit peu comme une équipe de foot, en essayant de penser qu'on n'aura jamais un grand match de foot à jouer, mais si on est bien entraîné, le jour où ça arrive, on est forcément plus préparé. Et on réunissait, là, il y a deux, trois semaines, l'ensemble des élus de la communauté, et on se rendait bien compte que beaucoup d'élus, en plus, il y a des renouvellements de mandat, hein, c'est normal, et certains élus ont une appréhension, et c'est tout à fait normal et logique, hein, ils se disent, bah, j'ai jamais vécu de crise, mais on me parle de crise, et j'ai peur que ça m'arrive, et quand ça m'arrive, je ne suis pas à l'aise. Et je pense que simplement cet exercice, ça permet aussi de démystifier pour se dire, bah, en réalité, pour une crise, c'est compliqué, mais s'il y a quelques fondamentaux à respecter pour essayer de gérer une crise. Donc, je vous parlais de formation, prévention des risques dans l'aménagement et l'urbanisme. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais nous, on parle des grands documents d'aménagement, du SCOT, des PLU, des PLUI, jusqu'au permis de construire. Il y a un sujet qui est extrêmement important, c'est, et comme je vois le titre de Madame Matoron, « En amont des crises », en amont des crises, c'est tout ce qui se passe avant la crise. C'est tout ce qui relève de la veille et de la surveillance des phénomènes dans les risques naturels et dans les risques technologiques. Donc, on a mis en place des dispositifs, notamment sur le volet météorologique. Madame Matoron parlait des épisodes Cévenol, des épisodes méditerranéens. Alors, bien sûr, on n'a pas les mêmes reliefs aussi hauts que dans vos belles régions. Pour autant, on a des phénomènes qui ressemblent avec des niveaux de pente qui sont équivalents aux vôtres. Par contre, effectivement, on n'a pas votre altitude, mais on a des phénomènes de crue éclair, de crue rapide sur notre secteur, et malheureusement, on a des morts, et on a eu encore un mort, c'était à Rouen c'est récemment, on a eu malheureusement une personne à Rouen qui est décédée par un ruissellement urbain intense sur le secteur. Donc, cette côté de vigilance et de pré-alerte, elle est extrêmement importante parce que ça permet de suivre les événements sur le volet naturel, sur le volet technologique, mais on a encore des progrès à faire, mais on a déjà, on va dire, un certain savoir-faire sur ces sujets-là. Ces éléments d'information vont nous aider aussi à faire de l'aide à la décision parce qu'on parle de l'alerte et on a l'impression que quand on a appuyé sur le bouton, on a réglé le problème de l'alerte, que ce soit des sirènes, le cell broadcast ou les automates d'appel des communes. Nous, pour nous, le moment stratégique, c'est le temps qui est nécessaire à alerter. Et on s'est rendu compte que ce soit sur Lubrizol à Rouen ou d'autres, en réalité, il y a une grande appréhension et les décideurs veulent se revalider, s'auto-valider, enfin se rassurer, parce que bien entendu, l'alerte, ça a des conséquences, et que si ça a des conséquences néfastes, on pourra venir reprocher à un maire ou à un préfet les conséquences d'une alerte. Et le corollaire de tout ça, c'est que en prenant du temps, eh bien, la crise, elle avance.
elle avance sur deux points. Le point, on va dire, que je vais appeler physico-chimique et sanitaire, c'est-à-dire que ce soit un nuage toxique, soit un incendie, une explosion, et malheureusement avec éventuellement des victimes, ça c'est ce sujet-là. Et puis il y a le deuxième, c'est la communication de crise et la crédibilité des décideurs. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on est, j'allais dire, il faut faire le deuil d'être tout de suite crédible auprès notamment des médias et des réseaux sociaux. Bien entendu, il va y avoir une lame de fond avec les réseaux sociaux en plus. Les gens sont informés à une vitesse et informent à une vitesse beaucoup plus rapide que nos organisations qui nécessitent, on va dire, des itérations, des validations pour communiquer. Donc, il faut faire le deuil, il faut faire vraiment le deuil de dire, dans la première étape, il faut se mettre, il faut être extrêmement humble et donner les informations, mais uniquement les informations dont on est sûr, et donner finalement un rendez-vous de revoyure pour dire, écoutez, on étudie toutes les hypothèses et tous les événements, on suit l'événement, on revient près de vous pour vous en informer. Parce que sinon, après, on est discrédité et après, c'est compliqué de gérer la crise à partir du moment où la confiance et la crédibilité sont, on va dire, amochées, si je peux me permettre l'expression. Donc, il y a ce volet-là. Après, il y a un moment qui est, j'allais dire, presque très simple, c'est de mettre en œuvre des moyens d'alerte. Donc, nous, sur les moyens d'alerte, on a mis en place un ensemble sur une dizaine de communes de 35 sirènes qui sont des sirènes qu'on appelle trivialement les fameux PPI, puisqu'on a un PPI qui est très très vaste. Donc 35 sirènes de la commune de Sainte-Adresse jusque presque la commune de Trancarville. Donc c'est sur une trentaine de kilomètres, 35 sirènes. Alors, la particularité, ça peut vous paraître étrange, pourquoi une interco s'est lancée dans cette galère de gérer des sirènes d'alerte? Je ne vais pas vous refaire l'histoire du territoire, mais c'est des accords qui ont été pris par le préfet de l'époque avec les intercommunalités de l'époque. Et donc aujourd'hui, voilà, on a un dispositif d'alerte par sirène qui finalement remplace les équipements de l'État qui étaient quasiment totalement obsolètes. C'est ce qu'on appelle le réseau national d'alerte. Et vous avez dû voir sur vos territoires, l'État, avec son programme qu'on appelle SAIP dans les années 2010, a commencé à rattraper son retard. Mais pour autant, on leur a dit installer les sirènes aux endroits où nous, on n'est pas encore présents pour compléter plutôt que de remplacer l'un par l'autre. Donc 35 sirènes. Et puis on a mis en place aussi un dispositif, ce qu'on appelle d'alerte en masse multicanal, qui est donc factuellement un automate d'appel qui permet d'envoyer des appels vocaux, des SMS et éventuellement des courriels d'alerte, avec l'avantage, bien entendu, par rapport à la sirène, c'est qu'on donne l'alerte, on donne des consignes et on pourra redonner des messages durant l'événement, sur une évolution d'événement, l'évolution des consignes et toujours un message de fin d'alerte. Merci. Voilà, pardon, j'ai peut-être déjà été trop long pour une présentation et je suis à votre disposition pour échanger, si vous voulez. Merci en tout cas, Monsieur Mallet, pour cet exposé assez exhaustif de ce qui se passe sur votre territoire et l'historique de vos travaux à ce niveau-là. Merci infiniment. On va peut-être laisser encore un quelques temps de réaction. J'ai cru voir une personne lever la main, donc n'hésitez pas à réagir. Excusez-moi, j'avais deux petits points à vous évoquer. Un point qui est un petit peu ma marotte, pourquoi je dis que c'est ma marotte, c'est que quand on rencontre les élus, souvent, mais même des agents ou des spécialistes des risques, souvent on nous dit, bon, le maire, il faut qu'il ait son PCS, mais de toute façon, quand le sinistre dépasse les limites de sa commune, c'est le préfet qui prend la main. Eh bien, c'est faux. C'est factuellement faux. À 99% du temps, le préfet ne prend jamais la main. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'informer, lui remonter l'information et l'associer, y compris lui dire, écoutez, moi, je suis dépassé par l'événement, je vous demande votre soutien. Mais ce n'est pas du tout évident que le maire, que le préfet prenne la main. Donc ça, c'est un gros sujet. Et vous le retrouvez dans la littérature, parce que là, j'ai trouvé un article scientifique qui vient de sortir, qui est extrêmement intéressant, mais où on nous dit le dispositif ORSEC prend le relais pour organiser les opérations de secours lorsque le danger s'étend au-delà des limites d'une commune ou dépasse ses capacités de gestion. Ça, c'est la théorie, mais c'est jamais appliqué, quasiment. Et c'est pour ça que moi, quand je rencontre les maires, je leur dis, monsieur le maire, vous êtes préfet dans votre commune et vous aurez probablement jamais la chance, si je peux me permettre l'expression, qu'un préfet vienne vous dire, écoutez, je prends la direction des opérations. C'est extrêmement rare. Je ne prends qu'un exemple, Saint-Chamas.
Saint-Chamas, l'incendie de Saint-Chamas, là, près de, dans le sud de la France, où ils ont eu un incendie de 54 jours, où le maire est resté directeur des opérations de secours. Donc ça, c'est une marotte, c'est malheureusement une marotte, mais nous, on l'a vérifié. Malheureusement, vous le disiez, Madame Matteron, les maires sont remis en cause pénalement. C'est un vrai sujet et qui, malheureusement, atteste de ce que je suis en train de dire. Et puis peut-être vous dire qu'on a pas mal fait d'échanges également. Je parlais tout à l'heure de brièvement, puisqu'il nous reste juste 5 petites minutes pour les questions, donc si peut-être on veut laisser en quelques merci. On finit faire la publicité du groupe de travail qu'il y a sur ces sujets-là au sein d'Amaris, mais Delphine Favre pourra en faire une belle publicité. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Mali. Alors, je crois qu'il y a eu des réactions, en tout cas des personnes qui ont levé la main. N'hésitez pas à vous manifester. Oui, sur la dernière partie de son intervention concernant les préfets, on le vit chaque saison cyclonique, on le vit chaque crise, à chaque crise, parce que le maire, c'est le patron sur sa commune. Et les préfets sont là juste pour faire le compte de ce qui a été fait par les maires sur leur commune pour qu'ils puissent faire les points de situation au niveau du ministère. Vous aurez vous demandez du matériel, vous allez avoir une réponse plus vite de la commune d'à côté ou de la communauté d'agglo que de l'État. Parce qu'il y a tellement de rouages pour arriver à avoir la réponse qu'on se dit des fois, c'est même pas la peine de demander, parce que quand on demande, eh bien, on a la réponse le lendemain, alors qu'on a besoin du matériel tout de suite. Donc, entièrement d'accord avec ça, les préfets, il ne faut pas trop compter dessus, même s'il y a de beaux plans secs qui sont faits au niveau étatique. Ceux qui font le travail sont les élus de terrain qui font le travail. Et c'est sur eux que compte la population et pas sur la préfecture. Merci, Madame Laborieux. Alors, il nous reste deux petites minutes éventuellement pour une dernière réaction. Ou question. Et s'il n'y en a pas, je vais vous proposer qu'on commence avec la deuxième partie de ce travail, de ce webinaire. Donc, pour ouvrir ce deuxième temps de cet échange, on va ici sortir peut-être un peu plus de la définition propre de ce que peut être un risque majeur, tel qu'il est à noter dans les définitions qui sont présentes au niveau du cadre national. On va aussi un peu sortir du cadre réglementaire et des obligations propres aux intercommunalités et aux communes. Et là, on va essayer d'aller s'interroger sur finalement comment les collectivités elles vont s'emparer d'outils qui vont finalement sortir leurs obligations pour aller analyser toutes les vulnérabilités qui peuvent être présentes sur leur territoire. Et donc, on va essayer d'aller s'interroger sur comment identifier ces vulnérabilités. Et qu'est-ce qu'on intègre dans ces vulnérabilités? Quel type d'aléas on peut intégrer? Quel type de risque on peut intégrer? Et donc, j'ai sur cette thématique-là, j'ai le grand plaisir de faire intervenir M. Stéphane Linou, qui travaille sur les questions de résilience alimentaire et de sécurité et défense, et donc qui va nous parler un peu donc, de cette thématique propre à ce risque, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Donc, Monsieur Linou, si vous êtes là et si vous m'entendez bien, je vous laisse la parole. Est-ce que... Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, très bien. Alors, je ne me vois pas. Je ne sais pas si je suis centré dans la caméra ou pas. En tout cas, on vous voit bien. Bon, alors ça va. Très bien, mais bonjour à tout le monde, hein. Et ben merci de m'avoir invité pour vous parler en 10 minutes du plus vieux sujet du monde. Hein. Donc, on va essayer de faire à court. Hein, donc, ça va être un peu à la hache, mais bon. On va quand même essayer. Donc,
je présente rapidement. Donc, j'ai été conseiller général et conseiller municipal. Maintenant, là, je forme les élus avec l'Institut supérieur des élus. Je suis conseiller en développement local, pompier volontaire. Et j'ai lancé en 2008 le mouvement Locavore en France. J'avais fait le pari pendant un an de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. C'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Je partais de scénario, donc on était en 2008, septembre 2008. C'était, imaginons qu'un jour, il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus, avec le quasiment rien que nous produisons à titre individuel, avec le quasiment rien que le stock à titre individuel, avec le quasiment rien que l'on cuisine dorénavant, avec le fait qu'on se fournit pour à peu près 70% de notre alimentation à travers les grandes surfaces qui n'ont même pas de jours de stock, avec le fait aussi qu'il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, que nos infrastructures nourricières, au fil des décennies, on les a complètement détricotées, que ce soit au niveau de nos producteurs comme de nos outils de transformation et de distribution, et qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État, et que nous sommes devenus des sociétés intolérantes à la frustration. Donc, en termes de résilience alimentaire, 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc, en fait, c'était, s'il y avait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement, combien de temps on tiendrait sans se taper dessus? Donc, pendant un an, donc je me suis mis en scène. Le mot locavore, que je n'ai pas inventé, est rentré dans le dictionnaire, donc dans le Petit Robert et dans le Larousse ensuite. Et en fait, je rappelais tout simplement ce que nous avons individuellement et collectivement oublié, c'est-à-dire que l'alimentation et la sécurité ont toujours été articulées et liées, et qu'on en était conscient au niveau individuel, mais au niveau collectif, c'est-à-dire politique. On a commencé par courir après la nourriture en tant qu'espèce lorsqu'on était chasseur-cueilleur. Notre ventre allait vers la nourriture pour la prélever. Ensuite, lorsque le climat s'est réchauffé et stabilisé, cette nourriture, on l'a faite pousser autour de notre ventre. Donc, on a inventé l'agriculture au néolithique. Et ensuite, pour sécuriser ces récoltes, autour de notre ventre, on s'est regroupé en communauté. On a inventé les silos, donc les villages, les aménagements collectifs, l'irrigation, tout ça, on se rendait le temps également entre personnes. Et c'est là qu'on a inventé l'aménagement du territoire, c'est là qu'on a inventé l'espace, qu'on a transformé l'espace en territoire, c'est là aussi qu'on a inventé la politique. Donc après avoir couru après cette nourriture, après que notre ventre soit allé vers elle, après qu'on l'ait faite pousser tout près de notre ventre et après qu'on l'ait sécurisée collectivement autour de notre ventre, maintenant c'est cette nourriture qui vient à notre ventre. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, sur le est-ce qu'il y a des risques ou autre. Et si l'on s'intéresse à ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls par exemple au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de quatre sécurités. Sécurité extérieure, il fallait ériger et entretenir les remparts et se protéger donc. La sécurité sanitaire, il fallait mettre en place l'assainissement collectif, lutter contre les épidémies, tout ça. La sécurité intérieure, parce qu'avant qu'on ne fabrique les États-nations, l'ordre public, c'était uniquement géré au niveau local. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Donc, on régulait les marchés, les flux, le foncier et le stockage et d'autres choses. Donc, en fait, c'était la hantise des édiles de l'époque que le peuple se révolte par le ventre. Donc, c'était une
conscience, une responsabilisation et une mise en œuvre d'action individuelle qui se rajoutait à une conscience, à une responsabilisation et une mise en œuvre d'action de manière collective, car la règle, c'était la pénurie. L'abondance, c'était l'exception, contrairement à maintenant. Donc, du coup, on était organisé individuellement et collectivement autour de cette règle qui était la pénurie. Donc, en fait, le plus ancien couple de risque qu'il y avait dans les villes, c'était le couple de risque approvisionnement alimentaire et ordre public. Et cette question-là, depuis que nous sommes complètement bourrés au pétrole, depuis que nous sommes en totale ébriété énergétique, depuis qu'on a découvert et exploité des énergies qui n'ont jamais été faites pour nous, à partir desquelles notre espèce ne s'est jamais développée, c'est-à-dire les énergies faciles, les énergies fossiles, charbon, pétrole, et bien depuis que l'on a accès à ces énergies, et bien en fait, on a complètement oublié le territoire et le temps. Donc en fait, ces énergies exogènes à notre espèce nous ont fait oublier espace et contracter le temps, énergie, espace, temps. Donc en fait, du coup, on a complètement détricoté nos infrastructures nourricières qui étaient en fait des infrastructures de sécurité. Et maintenant, on se rend compte que les flux, puisque nous sommes devenus des territoires sous perfusion alimentaire, on s'est transformé dans la joie et dans la bonne humeur en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où, contrairement aux personnes qui sont en EHPAD, qui sont là, malheureusement, suite à des maladies, la vieillesse, tout ça, là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont volontairement désautonomisés et se sont rendus complètement vulnérables aux perfusions. Mais maintenant, les perfusions, on se rend compte que s'il y a un problème de cyberattaque, par exemple, sur la chaîne logistique, et là, j'évoque un scénario dans mon livre là, que j'ai publié en 2019, j'imaginais une cyberattaque venant d'Ukraine, ciblée sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ou une pandémie grippale ou autre. Donc, en fait, on se rend compte que des pathologies territoriales peuvent arriver très rapidement dans nos territoires devenus déséquilibrés, c'est-à-dire des troubles à l'ordre public. Et on l'a vu, on en a vu un tout petit apéro pendant au début du Covid. Donc en fait, cette question, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, pour l'instant, n'est pas encore dans les têtes, même si je forme énormément d'élus maintenant, avec le droit individuel à la formation des élus. Sur ce risque-là, un, c'est démontrer que c'est un sujet. Deux, que ça peut arriver. Trois, que Papa État n'a pas de plan. Papa État n'a pas de plan. Donc, en fait, je rencontre beaucoup d'élus qui me disent « Ah ouais, c'est vrai, là, vous avez démontré que c'est un sujet, d'accord. Ouais, mais bon, le préfet, il doit avoir prévu, les pompiers, tout ça, ou même le privé. Non. En fait, chacun croit que l'autre fait. Chaque monde, le monde de la production, pense que le monde des risques et de la sécurité a pensé à quelque chose. Le monde des risques et de la sécurité pense que la France qui exporte plus que ce qu'elle consomme, même si on importe 97% de l'énergie pour produire, eh bien en fait, que ce monde-là n'est pas vulnérable. Et le monde de la gouvernance pense que le monde de la production et le monde des risques a des plans. Donc en fait, j'ai fait une enquête dans ces mondes-là. Donc je fais un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires. Et j'en ai fait mon sujet de mémoire qui a été encadré par un ancien colonel de Légion, par un géographe, et a été cautionné par la division du renseignement de la gendarmerie nationale et par la zone de défense et de sécurité de Paris pour aller prendre cette température dans des mondes qui, normalement, se posent cette question, élaborent des plans, et s'il y en a, les répètent. Et très concrètement, c'est un impensé, c'est un trou dans la raquette. C'est pour ça que j'ai eu le prix national au Forum des risques majeurs, en 2019, à La Rochelle. Et ça a atterri au Sénat. Ça a intéressé une sénatrice, l'ancienne sénatrice de la Haute-Garonne, Françoise Laborde, qui a porté le sujet donc au Sénat en disant, voilà,
la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, avec une impréparation des populations et avec le fait qu'il n'y a pas quelque part des plans B ou des plans en mode dégradé, elle a interrogé le ministre de l'Intérieur de l'époque et lui a demandé si l'USGDSN réfléchissait à la question et tout ça. Et la réponse du ministre de l'Intérieur a été « on ne peut plus honnête » et a dit « la probabilité est faible, mais le risque est majeur. Le risque est majeur. Mais rassurez-vous, si ça arrive, on a les plats hors sec. » Alors, les plats hors sec, c'est très bien. Mais ça répond bien à un problème limité dans le temps et limité dans l'espace. Pas, ça ne répond pas à un problème d'ordre systémique. Donc, en fait, ça l'a encouragé, la sénatrice Laborde, à aller un peu plus loin et à déposer un projet de résolution intitulé comme mon ouvrage, donc « Résilience alimentaire, là, des territoires et sécurité nationale » au mois de décembre 2019. Et il n'a manqué que 16 voix pour que ce projet de résolution soit adopté. 16 voix à peine. Mais ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est que le groupe porte-voix du gouvernement, le groupe En Marche, a dit ben, « nous, on soutient parce que, au vu de l'hypersophistication de nos systèmes d'approvisionnement alimentaire, au vu de notre dépendance énergétique, au vu de la raréfaction de l'eau, des terres et tout ça, oui, la non-résilience alimentaire à des territoires doit être regardée avec les lunettes de la sécurité civile, de la sécurité intérieure et de la sécurité nationale. » Et là arrive 2 mois après le Covid, qui valide une grande partie de tout ça. Et donc voilà, donc là depuis, je forme pas mal d'élus là-dessus, pour justement qu'ils intègrent le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans leurs plans communaux de sauvegarde. Et ben, la première commune qui a suivi ce conseil, c'est la commune basque de Biriatou, qui, l'année dernière, a enrichi son plan communal de sauvegarde avec ce risque-là et a listé des mesures de prévention et des mesures de protection. Donc, je vous invite à contacter Madame Demarque, maire de Biriatou, et elle commence à sensibiliser là-dessus ben, la communauté d'agglomération, puisque vous savez qu'avec la loi Matras, ben, maintenant, les PICS, les plans intercommunaux de sauvegarde, vont être généralisés, du moins là où il y a une commune avec un PCS. Donc, en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'en partant d'un PCS enrichi avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, eh ben, du coup, vous, quelque part, entre guillemets, vous contaminez l'intercommunalité. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est souvent les mêmes périmètres que les PAT, les projets alimentaires et territoriaux, les mêmes périmètres que les PCAET, les plans climat, air, énergie, territoire, aussi les mêmes périmètres que les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc en fait, c'est vraiment systémique, c'est complètement intégré et ça met tout le monde autour de la table et même à table. Parce qu'il n'y a pas de ventre de droite et il n'y a pas de ventre de gauche. Et je le vois, j'ai des sensibilités, toutes les sensibilités. Et là, actuellement, je fais de la sensibilisation un peu plus grand public avec mes défis locavores itinérants dans toute la France. Je suis à 34 ou 35 défis relevés. Je propose à des collectivités locales, des familles, des restaurants ou autres, de relever mon défi qui consiste à réaliser un repas de fête local, chic et pas cher. Donc, local, moins de 51 km autour de l'assiette à vol d'oiseau, chic, bon, très très bien présenté, et pas cher, moins de 9,50 euros par personne, coût matière et correctement payé aux producteurs. Et moi, j'arrive avec le pinard. Mais en plus, il faut que ça soit bas carbone, c'est-à-dire que ça corresponde aux accords de Paris, c'est-à-dire le truc qu'on a signé en 2015, mais qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Neutralité carbone, c'est-à-dire 2 tonnes de budget carbone par personne, tout compris, y compris pour la nourriture, donc 600 kg. Et il faut que ça soit, donc ce menu, 1,6 kg égale à 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. Et là, on visualise les choses. Et donc, je fais cela sous l'angle de la sécurité civile et j'adapte ces défis maintenant pour la télé. Et des collectivités locales me commandent des épisodes, donc des magazines de 26 ou 40 minutes. Là, le conseil départemental de la Nièvre, la métropole de Nice et la communauté d'agglomération du Pays Basque. Donc, en fait, c'est complètement intégré et à travers une assiette remplie, on voit comme une manœuvre pompier de quoi on est capable,
qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et on met tout le monde autour de la table. Donc, en fait, ce risque-là n'est pas encore dans le DDRM, mais rien n'empêche un maire d'enrichir son plan communal de sauvegarde avec ce risque-là, et du coup, d'aligner les divers dispositifs qui existent, comme les PAT, PCAET, PLUI. Donc voilà, et là, je travaillais pas mal aussi avec le laboratoire sécurité et défense du CNAM, où je suis expert, et également avec la direction générale de la sécurité civile. Donc en fait, ce plus vieux sujet, le plus vieux sujet du monde, eh bien, très concrètement, on va devoir le reprendre à bras le corps et ensemble. Et on est rassuré parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, ça existe, il n'y a qu'à les faire vivre et les remplir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Linou. Merci beaucoup de nous présenter ce sujet qui, comme vous l'avez dit, est aujourd'hui encore un non-sujet hein, dans ces réflexions, et voir comment les territoires commencent à se mobiliser sur ça et à identifier du moins l'enjeu et la thématique. C'est très intéressant et j'espère que ça fera émerger des questionnements parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, ça fait une transition avec le territoire de Brest Métropole. Et je vais inviter Madame Valérie David, qui est directrice générale adjointe Espace public et environnement donc de Brest Métropole, et qui va nous parler, nous recontextualiser via la gestion de la crise de la Covid. Finalement, c'est cette identification des vulnérabilités territoriales et de ces fameux risques auxquels les intercommunalités et les collectivités vont devoir identifier et faire face. Donc, si Madame David nous entend et est là. Je vous entends. Est-ce que vous me voyez ? Oui, très bien. Oui, très bien. Par contre, je vais vous demander si c'est possible de passer le PowerPoint, sachant qu'il a été logiquement adressé à chacun pour vous permettre de vous y référer et le cas échéant d'y revenir après. Est-ce que vous souhaitez le diffuser vous-même ou est-ce que je veux bien que vous le diffusiez parce que je suis dans un contexte non prévu en matière de salle, donc je suis obligée de jongler un petit peu avec les appareils. Je vais diffuser peut-être... ça. J'espère que vous me voyez bien. Donc bonjour à tout le monde, en 10 minutes c'est très ambitieux, donc je vais plutôt faire des flashs hein, bien évidemment. Quelques mots, donc je suis effectivement déjà à Brest Métropole, juste pour situer, c'est 200 000 habitants, 7 communes, en matière de risques, les risques liés à l'eau, la mer, la montée des eaux, un peu en inondation, potentiellement les marées noires, donc ça c'est les risques liés à l'eau. Nous avons des risques liés au site industriel, assez peu nombreux, un peu de Seveso mais pas trop. Risques liés à la situation militaire, juste pour vous situer ça. Et puis enfin, ce sont les autres risques que vous connaissez tous, le risque pandémique, le risque d'approvisionnement, le risque d'un clash électrique, tous ces risques auxquels on n'est pas forcément formé. S'agissant de l'organisation de Brest Métropole, et ça peut faire écho à certaines de vos questions, jusqu'à présent, il y avait un plan pluricommunal de sauvegarde avant d'avoir l'obligation de plan intercommunal, ce qui veut dire concrètement que la collectivité étant une collectivité, un territoire très intégré en matière d'intercommunalité, et vu les compétences intégrées, il y avait une coordination au niveau de la métropole qui venait en soutien des communes, ce qui permettait aussi de leur faire bénéficier de la force de frappe et d'expertise de la métropole, mais la responsabilité des maires demeurait. Dernier élément, moi-même, je suis déjà depuis 3 ans ici, j'ai eu la responsabilité de piloter le Covid et dans mes précédents postes, j'ai toujours eu peu ou prou de la gestion de risque, que ce soit dans les 3 métropoles dans lesquelles j'ai travaillé, Rennes, Angers, Grenoble, ou les 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Nord-Pas-de-Calais, quand c'était encore le Nord-Pas-de-Calais. Mon propos, il est organisé autour d'une conviction, nous venons de vivre une pandémie qui, à 3 égards, est intéressante. Elle a concerné tout le monde, elle a été vécue comme inédite et elle a été très impactante. Mon a priori, c'est que du coup, on peut en tirer des éléments d'expérience et véritablement dans toutes les dimensions de cette crise pour en transférer une partie des enseignements pour les crises à venir écologiques qui ne manqueront pas d'arriver. Mais ça ne suffira pas parce qu'il me semble qu'il y a des caractéristiques, et je l'ai développé dans mon propos, qui supposent d'avoir encore d'autres réponses. Pour essayer de rendre un petit peu la chose dynamique, j'ai essayé de vous retracer quelques éléments très concrets de cette gestion de risque hein, de la pandémie. Donc, vous vous y référez, je vais les balayer assez vite, mais c'est juste pour faire quelques échos et vous permettre de raisonner avec vos propres expériences. Peut-être s'agissant de Brest, quelques éléments. Alors, moi, j'ai été formée à la gestion de pandémie. J'ai été formée en NRBC, nucléaire, chimie biologique, reprotoxique. Donc, c'est vrai que j'avais la chance, en étant en pilotage de ça, d'avoir cet acquis de formation.
Et la formation, donc, est effectivement, comme le disait le précédent interlocuteur, quelque chose de très important. Quelques flashs comme ça sur cette pandémie, histoire de faire écho avec vos propres expériences, sans doute. La question de la cinétique, c'est-à-dire la rapidité, le mouvement, démarrer au bon moment est vraiment très important, gestion de crise. Pour ce qui nous concerne, en décembre 1999, j'ai produit les 3 premières notes d'analyse. Et à la journée à Maryse du 7 février, j'ai demandé à ce qu'il y ait la possibilité d'évoquer la pandémie, alors que l'ordre du jour était consacré au texte de Rouen. Hein. Donc, vous voyez, la question du comment, quand est-ce qu'on se déplace, quand est-ce qu'on se met en mouvement est très important. La question qui me semble fondamentale et qu'on a vécue de façon toute en ce qui me concerne, une équipe commande articulation et tout le monde dans la boucle, tout le monde informé avec une organisation. Rassembler la responsabilité est importante puisqu'il y aura un contentieux, en général après une crise, la question des protocoles, bref, toute cette organisation. La question du partenariat de qualité avec l'État. Et il n'y a pas de miracle. S'il était bon avant, il sera bon après. Sinon, il n'y a pas le miracle, tout d'un coup, avec la crise, tout serait merveilleux. La question de la communication adaptée, hein, parler vrai, simple et sobre. Et notre choix, en ce qui nous permet d'associer dès le début les syndicats, ce qui nous permettra en RH d'avancer vite et de penser le pire en disant que ce n'est qu'un scénario, qu'une hypothèse, mais pour être en sécurité, il faut le penser. Quelques éléments aussi qui ont dû faire écho avec votre propre expérience, les élections. À l'époque, c'était l'Italie avec... sobrement, courtoisement, mais c'était les provocations de certains qui voulaient absolument serrer les mains pour montrer qu'il n'y avait pas de virus. La question des plans de continuité avec cette question l'importance du mouvement ascendant et descendant avec les services et des élections dans un schéma clair avec l'État, hein, c'est-à-dire que fait l'État. Un excès de langage. La question de la satisfaction des besoins primaires comme enjeu fondamental dans une crise, il y a de l'essentiel, il y a du secondaire. Monsieur parlait tout à l'heure de l'alimentaire, c'est prioritaire avec l'eau. Ce qui n'est pas prioritaire, ben c'est peut-être le colloque machin ou la fête ceci. Et ça, c'est toujours un vrai sujet en matière de gestion de crise, c'est de situer les priorités et situer à ce à quoi on renonce. La question de tout le numérique et toute la logistique, et on vérifie que les gens sont capables d'apprendre très vite. La question des masques, le défi que nous avons incohérent. Il a fallu faire avec ça et on voit bien que la question de la cohérence entre l'État et nous est très importante. La question du funéraire, où nous avons, en ce qui nous concerne, préparé le pire, voyant ce qui se passait en Espagne. Et donc, il a fallu là aussi sur les vaccinations. Alors, quand je regarde ça et je me dis quelques enseignements pour demain, les gestions climatiques, on est capable d'apprendre. On est tous, on apprend vite et bien quand on est en gestion de crise. Si on a préparé, on a moins à apprendre quand même. Donc, la question de la cinétique est vraiment importante. La question en gestion de crise de devoir faire avec l'incertitude, ce qu'on ne sait pas. Les cycles, parce qu'il y a des cycles dans une gestion de crise qui parfois peuvent être très longs. Donc, de faire avec ça, c'est un vrai sujet et savoir s'y préparer est important. Le défi de la durée, la fatigue, les conflits, tout ce qui peut arriver. Les plus précaires sont aussi ceux qui sont les plus impactés. Donc autour de ça, du coup, savoir quelle connaissance, qu'est-ce qu'on se reste tout à l'heure. J'ai parfois une question, un des débats difficiles sur la question de quel scénario sur la montée des eaux. Scénario qui c'est des scénarios inquiétants. Madame David, peut-être que la question de la prévention et de la préparation est évidemment majeure. Pardon. Oui, ça coupe un peu, je ne sais pas si ça concerne plusieurs personnes, mais peut-être pour rendre le flux plus fluide, peut-être si vous coupiez votre caméra, peut-être que ça passerait mieux. Comme ça, vous entendrez, parce que ça coupe un petit peu. Je vous fais ça. D'accord. Attendez, je coupe. Attendez, juste, je vais couper ça. Si ça peut bien se couper. Voilà. Donc, logiquement, vous ne me voyez plus et je vais couper la vidéo en 30. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Là, pour l'instant, on vous entend bien. D'accord. Donc, je déroule le PowerPoint comme ça, puis vous vous y référez. Donc, la question, la préparation très importante
pour pouvoir bien distinguer les trois phases que vous avez évoquées, la préparation, la gestion de crise et puis l'après. Les éléments autour de tout ce qui est la cohérence, hein, quel rôle aux uns, aux autres, et la bonne articulation des élus et l'administration, c'est évidemment très important. La question d'un pilotage qui soit adapté avec des décideurs qui ont des personnalités à même de gérer la crise. On n'a pas tous les mêmes profils. Il y a des personnes, moi j'ai un très bon analyseur de risque, mais en gestion de crise, c'est quelqu'un qui est un profil un peu lent, donc il ne peut pas toujours s'adapter à la vitesse qu'il faut avoir quand il faut agir très très vite. Donc l'importance aussi d'une formalisation d'un cadre au départ, hein, c'est quoi le risque, c'est quoi notre rôle, c'est quoi les réponses, et tout le monde a ce cadre qui va donner une sécurité, une lisibilité, et on peut se faire confiance mutuellement. Des éléments autour de... le discours, hein, quel discours est tenu, par qui peut faire naître la confiance, c'est quoi le discours qui va permettre à chacun de se situer et de se sentir en sécurité. Donc des éléments autour de ça. Et me semble-t-il, s'agissant de la pandémie, un grand retour d'expérience qui serait nécessaire, c'est bien évidemment nos relations avec l'État. S'agissant de Brest, nous avions la chance d'avoir un État local tout à fait intéressant avec un partenariat de qualité, mais on voit bien qu'il y a un sujet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'État n'a plus de moyens. Il y a un rôle s'agissant du passage du témoin au préfet quand il devient DOS, alors qu'il n'y a pas de formalisation. Nous avons prévu en ce qui nous concerne un document pour formaliser ce passage, mais on voit bien que l'État n'a plus les moyens et qu'il y a un vrai sujet de déplacement de fait vers les intercos qui ont le plus de moyens, le plus de connaissances et qui sont de plus en plus impactés. Un élément qui, à mes yeux, est fondamental en matière d'enseignement, c'est que la principale difficulté, elle est psycho-affective. La pandémie, et c'est là où il y a une transition avec la crise climatique, il y avait de l'inédit, du moins c'était vécu comme tel, parce que des pandémies, il y en a toute l'histoire de l'humanité. Mais en fait, pour imaginer que ça allait nous arriver, pour penser ce qu'il fallait faire, on a eu des difficultés en tous les cas. Vous avez dû rencontrer vous-même des difficultés avec certains acteurs. Donc, penser la dimension émotionnelle, penser la dimension communicationnelle me semble important pour les crises futures à venir. Alors, si j'en viens maintenant à la question que je propose sur les crises climatiques, il me semble qu'il y a des caractéristiques qui sont spécifiques et qui vont apporter de la complexité, supposant encore plus de préparation. Alors, on vous entend plus. Une route qui est bloquée ou je ne sais pas quoi. Ah, vous m'entendez plus. C'est bon. Il y a juste le début de votre déroulé. C'est bon. Alors d'abord, les crises climatiques, malheureusement, sont liées à des éléments vitaux. Hein. L'air, l'eau, l'alimentation, le vivant, la biodiversité, si peu questionnée. Donc là, ça ne se substitue pas. Si on n'a pas d'eau, on meurt. Hein. Si on a d'autres produits, on meurt. Là, il n'y a pas de... Donc la question de qu'est-ce qui est en enjeu est importante. Précision de vocabulaire, j'ai oublié de le rappeler tout à l'heure. Pour moi, le risque, hein, c'est une relation entre un aléa, c'est-à-dire un facteur perturbant, quelque chose qui est en jeu, et une vulnérabilité. Et ce qu'il nous faut éviter, c'est que le risque devienne un sinistre. C'est ça notre jeu. Le sinistre, c'est le risque réalisé, juste pour le vocabulaire. Donc aujourd'hui, s'agissant de la vulnérabilité, malheureusement, les biens en cause sont des biens à très fort enjeu, l'eau, le climat, etc., la température, etc. Deuxième élément, et on l'a vu à l'occasion de la pandémie, mais ce sera d'autant plus vrai, nous avons un problème des longueurs de nos chaînes d'interdépendance. C'est-à-dire qu'en Bretagne, on n'a logiquement pas de problème de nourriture, mais s'il faut du pétrole pour faire tourner les tracteurs, on peut avoir des difficultés. Donc nos chaînes d'interdépendance sont très fortes. On a, s'agissant des crises climatiques, le problème de la redondance, c'est-à-dire qu'il y a une inertie des processus. On sait bien que pour certains changements, c'est 20-30 ans, alors que nous n'avons, s'agissant de ce sujet-là, pas l'urgence sensible du sujet. C'est-à-dire que jusqu'à peut-être cette semaine, certaines personnes se disaient que le réchauffement climatique, ce n'était pas pour eux. Et on sait bien qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on a 30 ans de dégradation. Donc, on va avoir une difficulté à penser des crises à venir, alors que nous avons d'autres priorités et fort légitimes, et que nous n'avons pas, s'agissant de la plupart des personnes qui travaillent sur ces sujets-là, la compréhension nette, claire, concrète de ce qui va arriver. Donc, on a un sujet autour de l'appropriation d'une crise théorique à venir. C'est aussi des faits systémiques. Ça a été évoqué tout à l'heure par le monsieur du Havre, c'est-à-dire que malheureusement, on conjugue les aléas. C'est-à-dire qu'on va avoir une crise, par exemple, là, de sécheresse avec de la grêle qui tombe, et il se trouve qu'il n'y a pas les briques pour remplacer parce qu'il y a une crise d'approvisionnement en même temps. Donc, autour de ça, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes de chaîne qui sont assez problématiques. Enfin, deux, trois petits éléments, les biens qui posent problème, les biens écologiques, je pense à l'air et à l'eau, ce sont des biens qui ne sont pas régulable de manière nette par le marché, puisque l'air, ben, quand vous polluez, c'est l'autre qui en est perturbé. Mais si vous faites l'effort, ben, l'autre en bénéficie aussi. Donc, le bénéficiaire et celui qui agit
et celui qui est impacté ne sont pas les mêmes. Donc, vous voyez qu'il y a un sujet autour de ça, ce sont des crises qui présentent une complexité supplémentaire. Alors, moi, par rapport à ça, peut-être quelques pistes, et c'est peut-être le fond de votre sujet. Le premier élément, me semble-t-il, c'est que par rapport à ces crises économiques, pour s'arrimer au réel futur, il faut une connaissance scientifique appropriée. S'il n'y a pas de connaissance vulgarisée, bien sûr, hein, mais partagée de ces risques, on n'avance pas. Je vous redisais tout à l'heure la question que nous avons sur Brest, alors que nous avons le CHOM, hein, donc l'expert, tout ce qui est démonté des eaux. Nous avons des débats sur lequel scénario retenir. S'il n'y a pas, dans les discours qui sont amenés, un discours qui soit bien assis, qui soit scientifiquement valide, qui soit bien identifié comme scientifique, on ne peut pas traiter les sujets. Donc, la question d'une connaissance vulgarisée est absolument fondamentale, s'agissant des élus, s'agissant des techniciens, avec une parole scientifique qui soit bien distincte de la parole du décideur. Sinon, on a un problème de confiance dans la parole. Sachant que, je le rappelle d'un point de vue psy, notre rapport au savoir, eh bien, il est toujours perturbé par ce qu'on a intérêt à entendre ou pas entendre. Hein. Il y a des dynamiques émotionnelles, et bien évidemment, on peut avoir des phénomènes de déni, on peut avoir aussi des phénomènes d'éco-anxiété qui viennent inhiber notre compréhension, notre action. Donc, autour de ça, il me semble qu'il y a un sujet majeur qui est la connaissance scientifique appropriée. Le deuxième élément, et ça reprend une partie de vos propos, il me semble qu'il y a la nécessité véritablement d'avoir dans chaque institution un minimum d'organisation d'une mission qui est en charge de suivre ces questions-là. Qu'il s'agisse de l'appropriation des avoirs et de leur valorisation, qu'il s'agisse des plans d'action, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire ça tous les matins. Hein, parce qu'en plus, c'est une formation et on s'habitue aussi à gérer du risque et à s'approprier les émotions que ça suscite et parfois même de l'angoisse. Mais ça suppose une organisation qui traite et qui inclut dans son organisation cette mission de gestion du risque. Après, s'agissant des plans d'action, il me semble, on a eu l'occasion tout à l'heure d'évoquer le PLU, etc., c'est que si on dit qu'il y a un risque et qu'il y a un plan d'action, ça suppose qu'il y ait un plan de gestion de risque, mais que les documents complémentaires qui peu ou prou traitent des risques soient cohérents avec ces affaires-là. S'il y a un problème de montée des eaux, les PLU doivent être cohérents en matière de contraintes urbanistiques. Donc, prendre des exemples simples. Si je prends quelques autres éléments encore, s'agissant de la population, et on a pu le voir pendant la pandémie, y compris quand on voyait la très haute proportion des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, alors que grosso modo, 99% de la communauté scientifique disait qu'il n'y avait pas de problème avec les vaccins, ce qui vient quand même questionner. On le sait bien en gestion de risque, plus il y a préparation, plus il y a appropriation, plus la population est à même de faire avec. Donc, le plan d'action, il sera accepté s'il y a eu ce temps d'appropriation pour qu'il ne soit pas vécu comme brutal, sinon il y aura des dérives complotistes, émotionnelles, etc. Deuxième élément, si on veut qu'il y ait des comportements adéquats, il faut bien qu'il y ait une appropriation. Et enfin, une partie des solutions, ce sera notamment le cas dans la crise climatique, il va bien falloir que les habitants fassent leur part dans leur construction des réponses, parce qu'une partie va venir aussi en part. On peut faire tout ce que veut en matière d'infrastructure d'eau. S'il n'y a pas la compréhension qu'il y a des moments où il faut arrêter de consommer de telle ou telle manière l'eau, on n'y arrivera pas. C'est vrai aussi en matière de déchets, c'est vrai en toutes sortes de choses. Donc la question du lien avec la population me semble spécifique et nécessaire de manière plus accentuée que pour les autres risques. Enfin, la question de la gouvernance adaptée, en ce qui me concerne, et au fil des années, plus je me fais cette remarque, la question de l'importance d'un schéma coopératif explicite me paraît absolument indispensable, avec donc des rôles qui sont articulés mais distincts pour avoir la confiance et l'efficience. Une parole scientifique, c'est une parole scientifique. Mais si le scientifique se met à la place du politique, ça n'ira pas. Et si le politique prétend avoir une parole scientifique qu'il reprend à son compte en mélangeant les rôles, on va avoir une difficulté de compréhension. Hein. Donc, il me semble autour de ça. Donc, un schéma coopératif clair, des documents cadres qui soient importants et une gestion des compétences qui soient pluridisciplinaires. En matière de gestion de crise, il nous faut à la fois des compétences techniques, il faut des compétences relationnelles, il faut des compétences de créativité, il faut des compétences aussi psy, parce qu'on sait que ça fait partie. Bref, il n'y a pas de gestion de crise qui n'associe toute une série de compétences, avec donc des groupes de gestion de crise qui soient pluriels. Des hommes, des femmes, des moins jeunes, des plus jeunes, des personnes de culture technique, des personnes de culture sciences humaines, en articulant bien ce qu'il en est du politique, du technique et des autres rôles. Voilà, en grosso modo, ce que j'avais envie de vous dire en quelques minutes. Allô ? Merci beaucoup pour ce propos très complet qui reprend vraiment de manière synthétique et intéressante tous les enjeux dont on a pu parler et qui approfondit les points qui sont très percutants. On a
plus beaucoup de temps, mais je pense que ça peut être intéressant de laisser la parole aux personnes qui peuvent avoir des questions, des remarques ou des interrogations sur ce qui a été dit. N'hésitez pas sur les quelques minutes qui nous restent. Alors moi, je voudrais, si c'est possible, de dire un mot. Je suis ravie de ce que je viens d'entendre là, de la part de M. Linou et de la part de Mme, je ne me souviens plus, parce que ce sont des risques auxquels je pense. Quand on voit le mal qu'on a, enfin, en tout cas que j'ai eu moi à faire accepter l'idée dans une région où les incendies sont monnaie courante, que c'était un sujet dont il fallait que les élus s'emparent, parce que les élus, on n'a pas envie de parler de ces choses-là, je me dis qu'il y a tellement de chemin à parcourir pour les risques alimentaires, et pourtant, c'est tellement nécessaire parce que effectivement, ce sont des choses qui vont nous arriver et sur lesquelles il faut qu'on travaille. Effectivement, il faut préparer nos populations sans pour autant affoler tout le monde. Trouver le bon ton, ce n'est pas évident. La formation des élus, ça me semble vraiment important de pouvoir dire qu'il y a des solutions qui existent, en tout cas qu'on peut préparer, qu'on peut anticiper et que c'est une réalité. Et donc, je suis ravie de voir que, en fait, je ne suis pas juste une flippée des risques et que, voilà, il y a d'autres personnes qui partagent ça. Merci. Merci, Mme Macron. Je crois que Mme Labourville, vous avez également une réaction. Oui, une réaction sur la partie de M. Limoux. Nous avons eu en 2009 une grève qui a duré plus de mois et on s'est retrouvé avec une problématique alimentaire parce que les centres commerciaux étaient tous fermés. Le port était fermé, donc il n'y avait rien qui rentrait au pays. Et je pense que c'est cette période-là où les gens ont mangé le plus sainement depuis longtemps. Parce que c'était les agriculteurs qui fournissaient, c'était des fruits, des légumes, de la viande blanche, des œufs. Et les gens, on a été obligés de s'adapter pour permettre à ces agriculteurs d'écouler la marchandise. Donc, c'était une organisation qui a été mise en place, qui n'était pas préparée. Et ça nous permet aujourd'hui de se dire, et en entendant M. Limoux, qu'il faut vraiment qu'on prépare cette partie-là. Parce qu'au-delà de la rupture alimentaire, il y a aussi la crise urbaine, parce qu'à côté, on avait une crise urbaine, et la protection de ces centres commerciaux devenait primordiale, puisque les gens avaient besoin d'aliments, et ils savaient qu'il y en avait, ils savaient qu'il y avait des stocks, mais qu'ils ne pouvaient pas atteindre ces stocks. Donc, je pense qu'on va vraiment se pencher en profondeur sur cette partie-là parce qu'on est un petit territoire et nous dépendons beaucoup de... On est un territoire insulaire et nous dépendons beaucoup de l'importation. Voilà. Merci pour cet éclaircissement très juste. N'hésitez pas s'il y a quelques réactions et puis s'il n'y en a pas, eh bien, on va pouvoir conclure. Alors, il y a Thomas Villiers de l'agglo de Béthune-Brouet qui a levé la main. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, bonjour à tous. Alors, j'essaie d'activer la caméra. Je vous remercie pour toutes ces discussions. C'est vrai que c'est très intéressant, notamment d'aborder les problématiques alimentaires pour lesquelles on sera sans doute plus confronté à des soucis à l'avenir plutôt que dans le passé. Alors, je vais plutôt lancer une bouteille à la mer. Moi, je travaille sur un territoire qui est donc dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est assez vulnérable au risque d'inondation. Et donc, on en est tout simplement à la mise en œuvre de notre plan de sauvegarde intercommunal. Et donc,
voilà, je souhaiterais avoir des retours d'expérience, notamment des méthodes pour les collectivités qui ont déjà passé ce baptême du feu, et notamment voilà, savoir de quelle manière vous avez procédé en termes de concertation avec tous les acteurs territoriaux, que ce soit l'État, les communes, la sécurité civile, enfin, bref, tous les acteurs qu'on peut imaginer concernés par un tel plan de sauvegarde intercommunale. Nous, on en est au stade où on commence à rédiger notre document. En parallèle, on a sur le territoire un EPTB de bassin qui aide les communes à élaborer ou à réviser leur plan communal de sauvegarde. Et donc voilà, on s'interroge, hein, sur la méthodologie pour aboutir à un plan communal intercommunal de sauvegarde qui soit opérationnel et le plus rapidement possible, hein, dans le contexte du décret du 20 juin passé qui nous presse, hein, en quelque sorte pour aboutir à ce type de document. Voilà, merci. Merci, Monsieur Villiers. Je crois qu'il y a eu entre-temps deux réactions de main levée. Peut-être des éléments de réponse ou des réactions à ces questions. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Maranacolo. Je vous en prie. On vous entend bien. Oui, très bien. Monsieur Philippi. Donc, Maranacolo, c'est la Comcom dont je suis le DGS, qui est au sud de Bastia. Donc, j'ai une question parce qu'on n'a pas de plan intercommunal de sauvegarde et on a eu un épisode très fâcheux l'année dernière, il y a quasiment un an, où on a connu une rupture de l'alimentation en eau potable, qui est une de nos compétences, et une unité de production d'eau qui représente 95% de la consommation du bassin a été interrompue suite à un incendie. Donc, Dieu merci, on l'a maîtrisé dans les 4-5 heures qui ont suivi. On a rétabli le service de l'eau. Néanmoins, ça a été un moment assez pénible à vivre parce qu'on n'était absolument pas prêt. Hein, on n'a pas de gestion du risque au niveau intercommunal. Et moi-même, mon portable n'a fait que sonner. J'ai absolument eu tout le monde, c'est-à-dire j'ai eu la préfecture sans arrêt, j'ai eu l'antiterrorisme. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et je suis assez preneur. Bon, il est vrai qu'on n'a pas eu le temps depuis de mettre à plat, de faire un retour d'expérience. En dépit du fait que ça fait plus d'un an aujourd'hui que ça a eu lieu, enfin quasiment un an que ça a eu lieu, et je suis assez preneur de tout retour d'expérience sur des faits de réels. En fait, voilà, c'est qu'on sait qu'il y a des PCS, etc., mais on se rend compte que dans les faits, eh bien, les maires n'étaient pas prêts, et je me demande bien ce qui aurait pu advenir si effectivement ça avait dû durer. C'était en plein été, il y a beaucoup de touristes aussi, donc voilà, c'était assez stressant. Et bon, sans doute qu'on aurait distribué de l'eau par votre camion, bien entendu. Mais au-delà de ça, je me demande bien ce qui aurait pu se passer à d'autres niveaux, parce que c'est aussi des productions d'eau qui alimentent les bornes anti-incendie, etc. Voilà, il y a un certain nombre de risques en cascade. Alors, si à l'occasion de cette conférence, certaines personnes ont des retours d'expérience à ce sujet, bien voilà, je serais assez content d'en bénéficier. Et je vous remercie. Merci. Alors, en tout cas, sur cette demande, pour information, il y a, comme j'avais dû le dire en introduction, un rapport qui va être publié d'ici la fin juin ou les mois prochains, avec notamment des retours d'expérience un peu plus détaillés sur les collectivités interconnées qui ont pu être rencontrées dans le cadre de cette étude. Et donc, ça pourra donner d'autres contacts supplémentaires de personnes, par exemple, qui ne se sont pas exprimées aujourd'hui. Donc, ça pourra enrichir déjà les retours d'expérience qu'on a eu aujourd'hui. Donc, on vous tiendra informé, bien sûr, de la publication de ce rapport. Et puis après, bien sûr, sur les contacts, il y aura toujours moyen de recommuniquer et puis échanger avec les contacts qui ont été, qui en tout cas, qui ont permis de faire ce travail jusque-là. S'il n'y a pas d'autres questions, comme il ne nous reste plus de temps, je vous propose de conclure. Donc,
pour quelques éléments d'information. Oui. Juste pour dire à Monsieur Maranagolo là qui vient de s'exprimer, juste pour lui dire que je vais former des élus en Corse au mois de juillet. Oui, j'entends. Je viens de vous lire, oui. Et ah d'accord. Voilà, je savais pas si vous l'aviez lu. Ça, dans quelle région, Monsieur Lille? Alors à Corté. C'est le CPIE, c'est le CPIE de Corté qui me fait venir et qui voilà. Qui est formé des élus et donc voilà donc cette et formation. La période alors c'est à quel moment? Alors ça sera le 22 juillet et peut-être la semaine d'après. C'est très intéressant. Alors ils nous ont pas sollicité. Alors le truc c'est que c'est très récent hein, donc c'est extrêmement récent et voilà. Très bien. Moi je serais ravi de venir avec un élu mais. Eh bien, vous pouvez peut-être contacter le CPIE et voilà, il centralisera peut-être les inscriptions. Tout à fait. Surtout qu'on se lance dans un PAT, dans un PCAET. Et ben voilà. Donc voilà, c'est l'occasion jamais. Et Maranagolo, c'est pas mon nom, c'est la Comcom du sud de Bastia. Moi, c'est... Ah, veuillez m'excuser, oh, ça commence mal. Désolé. Ah, mais c'est pas grave. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, Monsieur Lino, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'essaierai de venir vous saluer. Merci. Eh bien, avec plaisir. Très bien. Eh bien, je pense qu'on peut, conclure ces échanges. Merci à vous tous d'y avoir participé. Merci plus particulièrement à tous les intervenants qui ont pu échanger sur leur sujet et qui ont pu apporter leur expertise, leur expérience propre, qui était vraiment très intéressante et qui était un peu une occasion unique de les partager à ce moment-là aujourd'hui. Donc, merci vraiment. Moi, personnellement, je vous remercie tout particulièrement les personnes qui m'ont accompagnée dans cette étude depuis janvier au sein d'Intercomité de France et puis au niveau d'Amaris. Donc, merci à vous toutes et tous pour ça. Et puis, donc je vous ai mis quelques éléments d'actualité au niveau d'Intercomité de France sur notamment la 32e convention qui aura lieu donc, en octobre et puis les publications à venir, donc notamment celles liées à cette étude, prévenir les risques et préparer la gestion de crise, quel rôle pour l'intercommunalité. Et puis une autre sur le financement des politiques de transition écologique et énergétique et puis une autre publique sur la commande publique responsable. Voilà. Merci à vous tous et toutes. Merci.